Bienvenue chez les notes. On se retrouve avec le copain Alex. Il revient de vacances, il est tout bronzé. Vous avez vu comme il est beau? Il est beau. Il nous ressort ses amis tout blancs aussi, du Cool Gen Stealer. Et en face, pour rouler des mécaniques, on a amené les Chaos Knights. Bonsoir copain. Salut tout le monde, salut tout le monde, je suis heureux. Pourquoi? Je suis heureux comme quand je joue Tyranide, ou presque, parce ouais, bah que je joue pareil. Presque Tyranide. Je joue le culte des génies Stealer ce soir. Ah oui, les prolétaires. C'est mon armée de cœur, depuis la semaine dernière, donc maintenant là j'ai bien peint comme un sale, là j'en peux plus. Mais je suis très content, parce que je pense que ce codex est vraiment super à peindre, déjà, d'une, à jouer, et de deux. Donc je vais vous le montrer ce soir. J'ai fait une liste un petit peu hybride, j'ai choisi quand même un culte de corps à corps, qui est la liste altérée, mais j'ai pris une liste avec des figues qui me plaisaient un peu. Il y a un petit peu tout, il y a un petit peu de tir quand même, un peu de tir anti-char en plus, ce sera pas du luxe ce soir. Oh bon. Donc on a un bataillon unique de la liste altérée. Mon Warlord, bien sûr, c'est le Patriarche. Donc le Patriarche, il a le trait de seigneur de guerre qui lui augmente ses dégâts de 1. Il a la relique de Lys altérée qui fait qu'il va avoir une amélioration de Biophagus. Deux améliorations si j'ai effectivement un Biophagus que j'ai. Donc il va commencer avec un Film de Pain à 5 et les 6 pour toucher, proc double touche. Deuxième choix de QG, j'ai un Magus avec la relique qui lui permet, donc c'est le familier amélioré qui lui permet de relancer un sort par tour, donc je vais payer aussi un familier. Et troisième choix, un Primus avec l'amélioration planificateur méticuleux qui lui permettra de donner deux fois sa planification du coup à des unités pas forcément corps. Donc ce sera la relance d'un pour blesser qui peut donner à deux unités pas forcément corps. Donc c'est vachement intéressant pour un Primus. Pas forcément corps. Je crois que c'est facile. Corps, mais pas forcément. D'accord. Ensuite, choix de troupes, on a trois choix de troupes. Un premier, c'est un pack de 15 acolytes. J'aurais mis dans celui-ci 6 foreuses lourdes. Faut pas déconner avec ça. Donc les foreuses, et j'ai mis aussi une petite icône du culte qui permet de rip up un peu des gens. Bon, j'avais un point qui traînait, je les ai mis. Et donc l'amélioration de ce pack là, c'est un piège sur offert, ce qui leur permettra de charger à 3d6 quand ils arrivent de FEP. Ou tout le temps, je sais plus. Je crois que c'est que quand ils arrivent de FEP. Ensuite un pack de 5 acolytes dans lequel il y a 2 lance-flammes légers pour proc du tir croisé. Et aussi 2 cisailles. Parce que voilà, les figues étaient comme ça pour l'instant, donc j'ai mis 2 cisailles dans ce petit pack de 5. Troisième troupe, un pack de 20 néophytes en fusil à pompe avec une icône. Là c'est vraiment pour FEP puisque je leur ai mis l'amélioration qui leur permet de FEP à 3 pas de l'adversaire sans pouvoir bien sûr charger. Donc il est tapis en attente. J'aime bien ce petit pack de 20, j'ai déjà fait un test en culte, j'avais joué cette unité, je l'avais bien aimé, donc on va essayer de la garder. Elle sera pas létale contre les IK, mais au moins elle peut faire correctement. Ensuite au niveau des choix d'élite, alors là on a un petit peu de tout, j'ai bien aimé ces petits choix là. J'ai deux packs de 5 aberrants, on verra après comment ils sont joués, mais là pour l'instant ils ont rien de spécial. Deux packs de 5 aberrants, un Biophagus du coup qui va buffer soit les aberrants soit d'autres. Il a l'amélioration du coup qui est l'alchimiste suprême, qui permet donc en début de partie de donner une amélioration à une unité corps ou aberrant, n'importe laquelle. Donc du coup, ça sera mon pack de 15 acolytes avec les 6 foreuses qui aura les 6 procs de touche. Ensuite, j'ai l'unité un peu phare et du codex, je pense pour l'instant, et surtout de l'hélice altérée, c'est les Genie Stealer pure souche. J'en ai deux packs de 10. Du coup, c'est des bons petits bonhommes. J'en ai un qui ont l'amélioration, ils viennent du dessous, qui leur permet, quand je révèle de bib, de faire un mouvement pré-game ou de les remettre en dissimulation. Et le deuxième pack qui ont notre rapproche, qui leur permet la première fois qu'ils attaquent d'avoir plus une attaque chacun.
Dernier choix d'élite auto-include, le Nexus, tout simplement parce qu'il a la relique qui lui permet de regagner mes PC que je dépense sur du 5-6. Et en plus, le Nexus, de toute façon, est auto-include puisqu'il donne un jeton de tir croisé en phase de co, n'importe où sur la table. Donc, ces jetons de tir croisé servent beaucoup, pas que pour le tir. Attaque rapide, j'ai une escouade de 4 Atalan Chacal, donc c'est les motos. Elles sont toutes nues, elles sont là pour faire des secondaires, puisqu'on rappelle qu'avec Narkmoon, les motos peuvent faire des secondaires un peu plus sympas. Un pack de 3 Achille Ride Runner, donc là, c'est les tout-terrains, donc ils ont des laser minés lourds et des lance-leurs. Donc, 1 vue à 6, moins 2 à la charge contre eux, et laser miné lourd. C'est une anti-char pas nulle. Correct. Ça peut vraiment faire pas grand chose avec le dégât des 6. C'est pas correct. Nul. Et surtout, quand même, on a quand même pas mal moyen de les fiabiliser, ces armes de tir, avec le cul. Donc, pourquoi pas. C'est correct. Dernier choix de ma liste en choix de soutien, 2 concasseurs Goliath, avec des laser minés lourds aussi. C'est les transports. C'est assez tanky pour ce que ça coûte. Ça peut taper un peu au corps à corps. Ça a une arme de tir. Je les aime bien. Je vais pouvoir mettre mes aberrants dedans, mettre des choses comme ça. Je trouve que ça complète bien la liste. Ça fait un certain volume d'armes de tir anti-char, ça apporte un peu de variété de tanking, et voilà pour ma liste. Et ce soir, j'espère que vous allez être attentifs parce que c'est la présentation d'armée la plus courte qu'on ait jamais fait sur la chaîne. Ce soir, on joue Chaos Knight, c'est vrai qu'on les a sortis il y a pas longtemps, mais rien à voir par rapport à la dernière liste puisque ce soir, on joue 14 choix de Wardog. Comment on fait 14 choix de Wardog? On fait 3 unités de 3 Wardog, ceux qui sont dans le codex RK, donc Chaos Knight de base, donc c'est les Wardog. Nous, on n'a pas de différenciation entre les Armiger et les Helverine de chez les IK. Donc en RK, en Chaos Knight, c'est Wardogs. Et là, ce soir, ils sont tous stuffés pareil avec la chaîne Reaper bitronçonneuse et de l'autre côté, la lance thermique qui va bien. Ils sont tous comme ça, tous stuffés pareil avec la petite mitrailleuse. Il n'y a plus les points pour mettre des fuseurs, c'est simple et efficace. Ils font bien sûr partie d'un unique bataillon de détachement super lourd. Et en deux autres choix de détachement super lourd, il y a 3 Wardog Morax. Donc ça, c'est les unités Forge World. Donc ça, c'est une unité de 3. On a eu un petit souci avec le dernier ajustement en points du CA 2022. Donc ce qui fait que les Lightning Locks ont pris 5 points chacun. Du coup, en fait, on n'arrive plus à stuffer tout le monde pour pouvoir rentrer 14 choix de Wardogs. Bien obligé, du coup, d'utiliser à ce moment-là plutôt le Graviton. Puisque le Graviton est gratuit, qu'il a Blast. C'est D6 tir, force 6, PA moins 2, dégâts 2 ou dégâts 4 si la sauvegarde en face est à 3 plus ou mieux. Donc, voilà, c'est un choix qu'on est obligé de faire si on veut continuer à jouer tous nos Wardogs de manière un peu spam comme on le fait là ce soir. Donc si vous avez bien compris, à côté, donc un premier choix de 3 Moirax, ils sont tous équipés de Graviton, et un deuxième choix de 2 Moirax, donc là cette fois-ci il y en a un avec un full Graviton et un avec un Lightning Lock. Quand vous jouez Chaos Knights, il y a le choix entre soit mettre tout le monde en maisonnée iconoclaste, soit mettre tout le monde en maisonnée infernale. Ce soir j'ai fait le choix de les mettre tous en maisonnée infernale. Du coup c'est la maisonnée sur laquelle vous allez accepter de prendre des blessures mortelles, moyennant du coup la possibilité ensuite d'avoir un bonus, soit plus un en endurance, ce qui peut toujours être intéressant pour passer des petits Wardogs en du 8, soit plus 2 en mouvement, soit plus 1 en force et plus 1 damage sur une seule unité de tir que vous avez. Ensuite, vous utilisez une maisonnée particulière, donc c'est j'allais dire un sous-chapitre, et là on va prendre une maisonnée custom avec effectivement les deux buffs que j'ai déjà utilisés sur le dernier rapport de bataille, donc c'est le Pride Fuel Fury. Là, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je passe en dessous de la moitié de mes points de vie, je vais avoir plus un hit et plus une attaque en close combat. Et le deuxième, du coup, c'est Abominable Constitution, ce qui me permet en tout cas de ne pas être considéré comme étant dégressif sur mon tableau de mouvement. Donc je vais toujours garder mon mouvement à plein potentiel et en plus je vais avoir plus un move, donc ça va m'amener avec mes petits knights à passer à 13 de move, ce qui est toujours extrêmement intéressant aussi. Donc je garde ma mobilité, je garde mon potentiel de close combat, même si je suis abîmé, c'est quand même intéressant. Du coup, j'ai le droit de prendre un seul trait de seigneur de guerre et un seul relique, une seule relique que je vais mettre effectivement sur un seul petit knight qui va donc gagner le trône de vif argent de Slaanesh pour plus de mobilité et toujours taper en premier. Et en trait de seigneur de guerre, on va lui donner avide de tuer, puisqu'effectivement, ça lui permettra d'aller encore plus vite et encore plus loin. 168 PV avec une sauvegarde à 3+, une invul à 5 pour le tir et une ondu 7. Bonsoir mes amis, bonsoir. Au niveau de mes choix de secondaire ce soir, j'ai choisi du coup Abattez-le. Bravo. J'ai beaucoup réfléchi pour celui-ci. Bravo. Donc, les véhicules, chaque IK nous rapporte 2 points donc. Au total de 14 uniquement. Total de 28 points possibles. 14. C'est le max. 14, c'est nul. Deuxième choix de secondaire, j'ai pris récupérer les données de Narkmoon. Narkmoon, comme on dit. Donc elles sont très bien. Mon armée, enfin le codex en tout cas, peut vraiment faire ce secondaire facilement.
Et ensuite, j'ai pris le secondaire de codex qui s'appelle la nuée du couvain. Donc là, j'ai marqué un point si j'ai plus de figurines dans ma zone de déploiement. Un point si j'en ai plus dans le No Man's Land, donc dans le entre les deux zones de déploiement. Et un point si j'ai plus de figurines chez mon adversaire. Sachant que si je fais les trois en même temps, je marque un point bonus. Donc 1, 2, 3 ou 4 points en fin de tour contre le RK avec mon armée. Normalement, c'est aussi pas mal de points sécurisés. Et voilà pour mes secondaires. Au niveau de mes choix secondaires, on est assez simple. On va prendre Broyélé parce que j'ai l'intention de tuer plus de choses que mon adversaire. C'est peut-être un peu ballsy. Dans la même catégorie, il y a le spécifique Chaos Knight qui veut dire, grosso modo, si vous marquez un point, si vous tuez avec un knight qui est dans votre zone de déploiement une unité adverse, vous marquez un point. Si vous tuez avec un knight qui est dans, au milieu de, dans le No Man's Land, vous marquez un point. Et vous, si vous tuez avec un knight qui est dans la zone de déploiement de votre adversaire, vous marquez un point supplémentaire. C'est nul. C'est nul. Et au moins avec le Broyélé, si on arrive sur les derniers tours, on a toujours la possibilité de le marquer, sinon on se retrouve un petit peu embêté. Deuxième choix, bien sûr, l'emprise. J'ai l'intention de tenir plus d'objectifs que mon camarade en face parce que tout le monde est super opérationnel, tout le monde compte pour 5. Donc, a priori, on n'est pas trop mal de ce côté-là. Et le troisième, c'est l'assassinat. Il y a 5 personnages en face, donc au moins 15 points à se faire. Il n'y a plus qu'à. Et voilà, on est là. Tout le monde est déployé. C'était aussi le déploiement le plus court de la chaîne à ce jour, je pense, puisque entre les blips et les 14... Ah, j'ai quand même dû réfléchir un petit peu. Pimpin. Ah oh, bah oui. Bah, ça m'a fait mal à la tête, les blips. C'est mis beaucoup si de gens en réserve quand même. C'est pas si simple. Ouais, il faut quand même la moitié, on va dire à peu près. Hein. C'est chagrin. Ce soir, on joue le scénario numéro 12. Ça s'appelle « Renverser leurs icônes du nouveau chapter approve 2022 ». C'est le scénario où on va du coup marquer 4 points si on tient un objectif, 8 points si on tient 2 objectifs, et 12 points si on en tient plus que notre adversaire. Les petites actions de primaire bis, si je puis dire, de mettre des explosifs dans le territoire ennemi. C'est-à-dire que moi, je vais avoir la possibilité de mettre des explosifs dans cette moitié de table, moyennant en fait une action avec une unité objectif sécurisé. Voilà, par exemple, vous avez 14 unités potentielles sur la table. Ça, c'est pour placer un objectif dans la zone adverse. Effectivement, un explosif, je vais y arriver. On a la possibilité de les désamorcer avec là aussi une action menée par une unité qui n'est pas forcément elle objectif sécurisé. N'importe qui, pas infanterie ni rien. Exactement. 4 plus pour enlever l'explosif. Oui. Automatique par contre, enfin plus 3, oui, c'est automatique si on est super bien. Voilà. Et on marquera 5 points par objectif qui pète, 4, je crois. 4 points par objectif qui pète à la fin de la partie. Donc un objectif qui est resté en fait sur la table. Quoi. Voilà, exactement, tout compris. Ce soir, on a une belle table avec un tapis de chez Torex. C'est un tapis en 4 morceaux, comme ça, ça permet en fait de switcher, de changer, de faire ce que vous voulez. Ça permet aussi accessoirement d'avoir automatiquement le centre de table et les quarts de table. C'est bien fait. Ça, merci. Moi, je l'aime beaucoup. Merci Robert de cette précision. Non, mais j'aime beaucoup ce tapis, il est super beau. Non, il est chouette. On a des décors nouveaux de chez Warplayer RPG. Allez faire un tour chez eux. C'est joli, c'est prépeint, c'est bien fichu. Et puis toujours des petits conteneurs de chez 3D Board Game Accessories. Et nos petits objectifs qu'on retrouve aussi sur l'atelier de Torek. Avant de commencer, likez, commentez, partagez, mettez des messages de haine contre les taux. On accepte. Il n'y a pas de problème. On peut parler taux à chaque game. Hein, exactement. Voilà, moi je suis dans les starting blocks. Notre Warlord est ici. Voilà. C'est lui. Je voulais préciser aussi que j'aurais pu faire passer un de mes knights en Dreadblade. Donc ça permet d'avoir des bonus supplémentaires, mais j'ai 2 damnations pour chaque bonus que je prends. Et j'ai pas envie de éventuellement me retrouver bloqué à charger le plus proche ou à des choses comme ça. Donc la damnation, c'est pas cool. La damnation, c'est pas cool. J'ai pas fait ce choix-là. Donc voilà, on y va nature peinture. Et j'ai utilisé un petit PC, puisque je suis en maisonnée infernale, pour que toutes mes mitrailleuses, toutes les mitrailleuses de ce détachement super lourd, donc on va dire 9 mitrailleuses de des 9 War Dogs qui sont sur les petits. Ah bah non, les Moirax n'ont pas de mitrailleuse, mais les War Dogs de base, eux, ont une mitrailleuse qui sera du coup force 5. Voilà, c'était pour un PC, c'était bien. T'es d'accord? Je suis d'accord. Des choses à dire, toi, sur ton déploiement? Écoute, à part que tu mets des blips, c'est, pas, t'as envie. C'est marrant, mais c'est pas si simple. Hein, faudrait bosser un petit peu en fait le déploiement pour savoir où on met les blips. Donc il y a 2 unités qui sont sur table. Pourquoi? Parce qu'elles ont des mouvements pré-game. Oui. Alors, vous faites pas avoir. Hein. Faut qu'elles soient sur table pour faire un mouvement pré-game. Ça marche pas avec des blips. D'accord. Donc voilà, j'ai 6 blips. Un ici en avant, 2 derrière la ruine, 3 derrière cette petite ruine là. Mm-hmm. Et j'ai mes motos et mes Rage Runner qui peuvent faire un mouvement pré-game. J'ai pas mal d'unités en fait. Bon, on va voir. Sachant qu'on va appliquer. Alors, je te l'ai pas dit, mais on va appliquer les conventions, je crois que c'est WTC, hein, qui disent qu'on ne peut plus maintenant repartir en faible le tour où on est arrivé
des faibles, justement. Donc, le strat, je crois que le strat Kul'jaeden précise qu'on peut le faire vraiment. C'est écrit dans le strat, mais du coup, pour l'instant, c'est conventionné comme ça. On va le jouer comme ça, pour être tranquille. D'accord. Ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à balancer le dé pour savoir qui commence, c'est ça ? Oui. Alors, je suis pas convaincu. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à jouer T2, en joueur numéro 2, avec ce chapter approach, je trouve. Oui, notamment pareil, les explosifs, c'est pas mal. Les explosifs sont bien. Toi, tu as pris un broyé, donc c'est en fin de round aussi. Ouais, je suis pas contre jouer en. J'ai quelque chose, des trucs à faire en tour 1 aussi, quand même. Donc, je ne sais pas. Donc, je sais pas si je prends un dé qui fait D1 ou un dé qui. Comme là, en 2022, je vais prendre l'initiative comme ça, simplement. Voilà, j'ai fait 6. Je vous propose de faire un. J'ai 4. Fait 4. Voilà. Ben, je vais commencer. Donc, tu vas pouvoir jouer en premier. Allez. Je vais faire mes mouvements pré-game. Ah oui. Après, tu feras ton move et à la fin de ta phase de move, je dévoilerai mes bips. C'est très très bien. Ok, phase de com pour les Chaos Knights. Rien à faire. Un PC. On n'a pas de phase de com dans ce vieux codex tout rouillé, comme les figurines qui sont sur la table. Et si vous voulez aussi savoir pourquoi il y en a 14, c'est parce que 14, c'est fluff. Alors, fin de phase de move. Bon, ouais. Il y en a partout. On est bien, hein. Ça swarm. C'est reposant. Il y en a beaucoup. Hein. Je vous le conseille, c'est très reposant. Vous n'avez pas de règles spé, il n'y a pas de bulle à faire, il n'y a rien à réfléchir. J'avance mes pions et puis on verra ce qui se passe. Alors moi d'abord, juste mon petit mouvement après-game qui est venu jusqu'ici. Forcé à venir jusque-là pour vraiment, peut-être pas beaucoup de gros tirs, c'est des D3 tirs, ça peut un peu se foirer. Donc, je me suis dit forcé à les gérer, sinon ils vont aller faire un objet, un truc comme ça. Je pensais pas que lui irait si vite quand même. Ah bah oui. Et mes petits Achilles se sont cachés avec leur mouvement pré-game et c'est tout ce que j'ai fait moi. Ce monsieur est allé si vite puisqu'il a choisi de prendre une blessure mortelle pour avoir plus 2 à son move, donc il bouge de 14, plus 2 à son move, plus 1 pour l'advance, plus 1 pour mon trait de maisonné de custom. Donc il a donc 15 de move, plus 2 sur l'infernal, ça nous fait 17. Plus l'advance, et je sais plus combien il a fait en advance, j'avoue, mais effectivement ça traverse. Pas mal. Donc il y en a un peu partout sur les objets. Oui. C'est le seul qui a advance, mais bon en même temps c'est pas le seul qui a advance. Non peut-être pas. C'est peut-être le seul qui a chargé. Peut-être un des gars derrière voilà qui pouvait, mais enfin voilà. En vérité je vois rien d'autre. Hein. Je vois que tes messieurs qui sont là. Ouais. Ici il y a un blip. Alors attends, qui est voilà, parce que là on a fait une pause pour montrer ton mouvement. Ouais. Maintenant que je déploie mes blips. Alors. J'ai révélé mes petits bonhommes. Ah c'est passionnant. Encore très stressant. Voilà. Donc j'avais un blip ici. Il l'a enlevé. J'avais 2 blips ici. Les enlever. J'en ai plus qu'un. Wow. J'avais 1 blip ici, enfin 3 blips ici, j'ai retrouvé avec 4 unités. Pourquoi ? Parce que j'ai dépensé 2 PC pour redéployer en fait 2 blips, c'est-à-dire les enlever de là où ils sont et les remettre dans la zone de déploiement normale à plus de 9 pas, etc., etc. Donc du coup, je me suis servi de ça pour mettre le patriarche ici, donc un seul perso ici et 2 ici, que sont le Nexus et le Primus, un peu plus en sécurité, et les Steelers qui sont au fond. Alors c'est les Steelers qui ont, au moment où je les déploie, un mouvement où qui peuvent partir en dissimulation. J'ai choisi de les laisser là, en fin de compte. Oui. Je les mets qu'ils soient légaux, hein, quand même. Hein, parce pourquoi que la zone de déploiement va quand même comme ça. Alors. Donc voilà, j'ai décidé de les mettre là-bas. Du coup, ils n'ont pas profité de leur amélioration. Mais bon, au moins, ils sont pas trop mal. Une chose qu'on n'a pas précisé, effectivement, sur le mouvement aussi, c'est que du coup, ben là, j'en ai profité. Lui, il peut passer complètement dans le territoire ennemi, n'est-ce pas ? Et du coup, il a amorcé une cache d'explosifs ici. Vous pouvez voir sur ce magnifique jeton de poker de la Tiel Team. Si les mecs de la Tiel Team, vous existez encore, faites-nous un commentaire, ça me fera zizir. On peut passer à la phase de tir. Une lance thermique qui est ici sur nos amis là-bas et une deuxième lance thermique qui est là, comme ils sont ici. Beaux. C'est magnifique. Et il a bossé les... C'est magnifique. Il y a des fans de conversion. Hein. C'est magnifique. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, il a bien bossé le copain. Combien 7 points de vie une moto? C'est 2 PV endurance 4. Oh bah alors là, mais qu'est-ce qu'on en a? Sachant que hélice altéré plus un move, jamais blessé sur du... Plus un move, plus un force, jamais blessé sur du 2. Ah. Et donc? Et donc, tu me blesseras sur le 3. C'est très bien. Allez. Une lance thermique ici. On va commencer de plus proche d'ailleurs. Celui-là, sur les motos qui sont là. Des 3 tirs. 3, 1, 2, 3. Touche à 3. Une, bravo. Blesse à 2. À 3, du coup. Mais bon, à 3, c'est très bien. Vas-y, jette un dé. Allez, bah. J'ai pas de sauvegarde. Ah bah voilà. Boum, la moto. Et une moto morte. Elle est morte. Ici, le deuxième fait strictement la même chose. Des 3 tirs. Un tir. Touche à 3. Blesse à 3. Allez, deux morts. Ah non, jette un dé. Ah non, t'as voilà. Bah c'est beau. Je pense que lui a encore une ligne de vue sur les motos du fond. Oui. Des 3 tirs.
1, 2, 3 tirs de lance thermique. Alors, ce qu'il faut savoir quand même en Chaos Knight, c'est qu'on a quand même pas beaucoup de fiabilisateurs. Hein. Donc, une deuxième moto morte. Une blessure plus un dégât. Voilà, c'est ça. Une deuxième moto morte. Ici, on va tirer nos tirs de notre ami qui est là. Alors, pour ceux qui se posent la question aussi, vous avez pu le remarquer, ils ont tous Lightning Locks. Mais je les avais montés avant la fac. Donc, le seul qui en a, c'est celui qui est là. C'est celui qui n'a pas d'épaulette et un gros truc du chaos sur le dos. De toute façon, on est d'accord que personne ne sait à quoi ressemblent ces armes. Non, on ne sait pas. Puis il va tirer son graviton, ses deux gravitons sur les motos qui sont là. C'est 2d6 à chaque fois. Ça fait donc 5 tirs. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'avais tiré en premier, j'aurais eu un peu de blast. Mais bon, là, tant pis. Ça touche sur du 3. Et ça blesse, j'imagine, force 6 sur du 3. Oui. Ça nous fait 7 sauvegardes à PA-2, je dirais, dégâts 2. Donc PA-3 même, pardon. PA-3, dégâts 2, pardon, excusez-moi. PA-3, c'est le décès des petites motos. Elles sont décédées. Toutou. Bon, je sais même pas pourquoi j'ai avancé autant mon PPR là-bas, du coup, pour éventuellement faire une charge. Moi non plus, je sais pas pourquoi j'ai avancé autant avec mes motos, hein, autant se le dire tout de suite. Bah, après, ça te repousse en tout cas au maximum de ce côté. Ça va te forcer à faire un choix, mais il aurait pu du coup peut-être rester sur l'objectif et compter comme 5 supplémentaires. Oui. C'est pas la catastrophe. Je tue une unité. Oui. Sur le kill mort, je pense que malgré tout, ça risque quand même de pas suffire. Une, quoi, hein. Donc ça, c'est un peu chagrin. Par contre, je fais l'emprise, hein, sans forcer. J'ai commencé tour 1, c'est à peu près facile. 1, 2, 3 objectifs, plus que toi, c'est fait. Et l'assassinat n'est pas encore commencé. J'ai posé une petite cage d'objectifs ici, d'explosifs. Mon ami, c'est un tour 1 que je regrette plié. Pas. Non, je ne regrette pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est la phase de commandement d'Alex. Alors, phase de co, on a 2-3 petites choses à faire. Du coup, on a le Nexos qui donne gratuitement un jeton de tir croisé n'importe où sur la table. Ça, c'est bien. Donc, on va le mettre sur Naï devant. Ça va être ma cible pour mes petits tirs. Non. Et ensuite, mon Primus qui a le planificateur méticuleux. Donc, il va pouvoir donner 2 fois en relance d'un pour blesser et pas forcément à une unité base. Donc, il va donner ça aux Atalan. Non, pas du tout. Achille, Rage Runner, donc qui sont les petits, ça neuf pas, les petits quads. Et également aux Steelers qui sont de l'autre côté. De l'autre côté là-bas. Ils sont pas base. Ah bah dis donc, bravo. Voilà, c'est tout pour ma phase de co. On va passer en phase de move. On a pas mal de choses à faire aussi. Donc, On n'a pas précisé, mais tout ce que t'as pas sur la table et sur les blips est en fait en réserve. Oui, bien sûr. Dans les ombres. Merci. Et nous y voilà, fin de la phase de mouvement de l'armée des cousins Jen Steeler. Ouais, c'est bordel, hein. C'est le bordel, c'est chaud. Ça fait peur. C'est chaud parce qu'il y a pas mal de tirs, j'ai encore pas grand chose sur la table. Je peux pas bien me cacher si je veux tirer un petit peu. Si je tire pas, je me prends 4 charges au tour prochain. Donc, il va pas falloir que je rate mes charges à moi qui sont un peu loin. Bref, c'est pas ouf. Hein. On va se faire au fur et à mesure, on va voir. D'abord. En phase de move, ce qu'il faut que je fasse, c'est un brouilleur. Oui. Donc mes aberrances sont sorties. Le biophagus qui est ici leur a donné un fin opinion à 5 d'amélioration. C'est en bien. Fin de phase de move, très bien. Et ils vont tenter un petit brouilleur, il faut juste pas qu'ils fassent un 6 puisqu'ils sont pas super OP. Et c'est chagrin. Que 5. Les données de Narkmund. Ne faites jamais ça. Non. Voilà, c'est bon. Donc ils arrivent quand même à récolter les données de Narkmund ici en phase de move. Bravo. Pas mal. Les autres aberrants ont débarqué ici pour potentiellement menacer un petit peu, hein, voire tenter une charge, mais bon, on n'est pas convaincu. Ici, on s'est mis en position de tir sur l'IK central, on a mis le tir croisé dessus. Et ma foi, on va faire un petit peu de psy, mais ça fait peur. Ça fait peur. Donc, je vais juste commencer par le Magus qui va tenter de buffer les Jenny Steelers. Pour faire quoi? Donc, d'abord, plus une attaque. Allez. Ça passe. Donc, ils auront plus une attaque. Et ensuite, les 6 explo. 7, ça passe aussi. Donc, les 6, bah, proc de touche. Non, les 6 blessent auto. Ah, c'est encore vraiment mieux ça. Les 6 blessent auto. C'est fort. Ok, on y va avec le Goliath alors. On commence par ce petit Goliath ici qui va tirer du coup sur l'IK. Donc les deux, la mitrailleuse s'en fiche, mais surtout le laser minier lourd, on va voir. D'accord. Donc ça nous fait des 3 tirs. Oui. Comment faire ici? Sachant qu'il est exposé, c'est ça? Alors il n'est pas exposé, il est tir croisé. D'accord. Plus 1 pour toucher. 3 tirs. 3 tirs qui vont toucher à 3 plus du coup. Oui. Ça va faire 2 touches. Et ensuite je blesse à force 9 classique. Oui. Donc, sur du 3. Une petite blessure PA-3. Une petite invulnérable puisque j'ai un Ion Shield juste au tir et c'est tanké. Ça tanké. On commence bien. Ça tanké. Ensuite, on va faire tirer. Bon, je vais faire la mitrailleuse vite fait. Je vais faire champ après. Et d'accord. Je vais faire les deux. Les Rage Runner. Donc deux qui vont tirer sur ce monsieur et un seul qui va tirer sur celui-là. Puisqu'il a. J'ai pas réussi à mettre les trois. D'ailleurs, en fait, allez. Statistiquement, à peu près sûr que je rate. Deux les trois tirs. 3, 4, 5. Pareil, touche à 3+. Ah bah, c'est pas mal. Et ensuite, même. On blesse à 3+ également. On a la relance D1, puisqu'on a été du coup buffé par la relance D1 du planificateur du Primus. D'accord. Donc à 3+, relance D1. On fait que 2. Des invus à 5. Deux invus à 5. Non, 2 ratés. Ça fait 2 des 6. Eh bien.
C'est pas mal. 6 voilà, damage. Voilà. Ok, il m'en reste 6. En fait, voilà. le Red Runner qui est tout seul, du coup, oui. Qui va tirer sur celui-ci. Sur celui qui a déjà perdu. 2, yes. Qui touche à 3. Non, qui touche à 4, parce que j'ai pas plus un hit. 2 touches, bravo. Qui blesse à 3. Blesse à 3. 2 blesses. 2 invuls à 5. Une qui passe. Des 6 damage. 6 damage. Un petit 6. Excellent. Ça fait plaisir. Excellent. Et le dernier laser mini lourd est ici. C'est le Goliath qui va tirer sur l'Ikea qui est devant lui. Mm-hmm. Des 3 tirs, donc pareil, pas de marqueur ici. Un seul tir à 4+, c'est raté. Ouais. N'en parle plus, je fais vite fait les mitraillettes hors champ et après on passe à autre chose. Très bien. Ok, les petites mitrailleuses ont quand même gratté 2 PV supplémentaires à notre petit knight du milieu. Donc celui du fond, il lui reste 5 points de vie. Celui du milieu, 4 PV. Et celui-ci, il s'en sort très bien. C'est un peu les charges désespérées, on va dire. Mm-hmm. Parce qu'elles sont longues. Mais voilà, j'ai deux charges à 9 du coup. Alors je sais plus. Une charge à 8 sur les Steelers. Une charge à 9 sur les aberrants. Écoute, je vais commencer avec les Steelers, hein, bien sûr, sur Knight là. Ça paraît bien. Allez, on y va. Banco. Ceux-là, s'ils n'y arrivent pas, ils repartiront. Nope. Est-ce qu'ils veulent la reroll? Ils vont la reroll. Allez, mon grand. Non. Nope. Non. Donc je pense qu'ils repartiront eux en faible. J'aurai pas l'objet, tant pis. Et je vais tenter une charge avec les aberrants. Allez. Voilà. Ah là. Donc je repaye un PC du coup pour que les Steelers s'en aillent. Ils ont le droit du coup, puisqu'ils étaient sur la table en début de game. En fait, redis-nous, quand est-ce qu'on a le droit de repartir dans les ombres? Quand il n'y a plus personne à 6 pas. Quand il n'y a personne à 6 pas autour d'eux. Donc soit après avoir tapé et avoir tué. Oui. Soit en ayant raté leur charge comme des fritos. Très bien. Et ceci conclut le tour 1 du culte. Voilà, donc je mets un point, puisque avec Manuel du couvain, j'ai plus de figurines que mon adversaire dans ma zone de déploiement pour l'instant, encore. Oui. Hein. Au milieu, c'est 5 contre 5. J'en ai pas mis d'autres. Je ne peux pas de toute façon en mettre d'autres. Mmh. Voilà, c'est un tour très décevant puisque j'ai tué personne, donc tu vas faire en plus ton broyélé, je marque pas de points, j'aurai pas de primaire au tour prochain, il va falloir bien jouer les réserves. Mais t'as encore 90% de ton armée, pas là quoi. Ouais, 50%. Allez, on y va du coup, c'est mon tour 2, je commence ma phase de commandement, je marque 12 points, je tiens 3 objectifs, c'est 1 de plus qu'Alex, donc c'est 4 plus 4, 12 points. Le primaire bis, c'est mettre des objectifs explosifs, et ça pour l'instant on l'a pas fait. J'ai pas de phase de commandement, je récupère un PC pour un total de 10 et on y va. Bon, fin de phase de move T2. il y a encore plus partout que tout à l'heure. C'est sympa. T'en as mis partout, t'es content? C'est sympa, on peut vraiment se permettre de se déployer vraiment sur toute la table. On a vraiment du monde pour. Les gars, ils bougent tous à 15 quoi. Pour embêter, ils bougent tous à 15. Donc ils ont 14 plus 1 parce que ma trade maisonnée. Voilà. En infernal, si j'utilise des BM supplémentaires, ils peuvent bouger encore de 2. Donc ça fait 17 en tout. C'est quand même très très bien. Là on n'a même pas vraiment besoin, et en plus avec mon trait de maisonnée custom, et ben en plus je suis toujours considéré comme ayant pas perdu de point de vie pour le move, donc je reste extrêmement mobile. En attendant que ce monsieur me promette de réussir toutes ses charges, nous allons passer à la phase de tir, et je propose que l'ami du fond là-bas tire sur l'unité de véhicule qu'il a la plus proche de lui, à savoir les Achilles. Je vais même commencer par probablement celui qui est encore derrière. Voilà. Celui-ci va tirer sur l'Achille le plus proche, peu importe. C'est des 3 tirs de lance thermique. Et j'ai oublié tous les tirs de mitrailleuse tout à l'heure, mais à maxima culpa, on les fera probablement hors champ. Attends, aussi. Attends, avec les motos, elles sont toutes mortes. Hein, les pauvres. Il n'y avait rien d'autre. Allez, des 3 tirs de lance thermique. 2 tirs touche à 3. Blesse à 3, j'imagine. Oui. Une seule. Une seule, j'ai une avis à 6, d'ailleurs. Oui. Non. Ça passe, des 6 mortels, des 6 dégâts. Ah si, il en reste 2. Eh bien, très bien. Du coup, le monsieur qui est juste devant lui fait strictement la même chose. Des 3 tirs, un seul, touche à 3, blesse à 3. Du coup, il l'a pas blessé et finalement il veut reroll. Si c'est comme ça, je la reroll. Voilà. Ça blesse. C'est une blessure, moi j'ai une invul à 6. Une invul à 6 qui va me faire juste pour me troller. Non. Allez, vas-y, fais un de plus. Des 6. Ah, il reste un PV. C'est nul. Bon, et les mitrailleuses ont fini le travail. Mon petit Achille est mort ici. Ensuite, mitrailleuse. Faut pas croire, hein, mitrailleuse. Pas croire. Pas sous-estimer. Allez, ceux qui sont ici, du coup, c'est 30 pouces la lance thermique, hein, on a de la marge. Ils vont tirer sur les mêmes, c'est-à-dire toujours sur les petits quads Achille devant lui. On va commencer par celui de devant. Il va tirer des 3 tirs de lance thermique. 3 tirs de lance thermique, touche sur du 3, blesse sur du 3, non. Allez, du coup, je fais 3 tirs de mitrailleuse, ça t'apprendra. Une touche, 4 plus, rien du tout. Celui qui est derrière lui, c'est mon Warlord, il fait des
3 et je fais une touche de lance thermique, une touche, une blesse. Non ! Ils sont pas chauds hein, sur les blesses. Ouh ! Alors le problème. Ah, c'est ça une armée sans fiabilisateur. Exactement, voilà, c'est plus, ça. C'est quand même ça. On peut pas tout faire, mais c'est un peu comme l'Arlequin. Il y a rien pour fiabiliser les choses. Bah oui, mais pauvre. Donc les deux là ont tiré, il en reste un devant, donc ouais, Adèle, il me reste pour ça. lui et lui, mais en fait, j'aurais bien voulu attendrir la viande. Donc on va commencer par tirer avec lui. Il va tirer sur les Achilles ici, il va faire D3 lui aussi de lance thermique, ça en fera 2. Il n'a pas dégressif sur le Si, il est tout à fait dégressé, bien sûr, mais le 6 va toucher. C'est bon. Est-ce qu'il va blesser? Ah, vise la table. Il va viser la table. Oui. Moi, je suis navé à 6 maintenant, regarde. Allez. Non. Allez, je prends ça de damage. 4. 4 dégâts. Voilà, monsieur. 4. Allez, monsieur. Et oui, bah lui ici, à nouveau, sa lance thermique sur les Achilles devant lui, des 3 tirs, je vous le fais ici, 2 tirs. Une touche à 3+, une blesse à 3+, une invule à 6+, qui sort. Non, et il reste 4 PV. Des 6 damage. Ah, il est cassé, je suis déçu. Moche. Ah, mais bien sûr. Il en reste 3. Là, c'est quand même embêtant, parce que je voudrais quand même faire le kill mort, et je me demande si j'ai bien choisi la bonne cible, là, depuis tout à l'heure. Alors, il me reste un Wardog ici. Je vais faire d'abord tirer ce Moirax, qui va tirer dans le Ridge Runner qui est derrière. Ça, c'est un Goliath. C'est un Goliath, excusez-moi. Il fait 2d6 de tir de graviton. Donc, je vous propose 6 tirs, qui touchent sur du 3. Et qui vont blesser sur de la force 6. Endurance 6. Sur du 4+, alors. Je sais que je me demande si je suis pas endurance 7. Si t'as endurance 7, c'est plus embêtant. Endurance 7. Eh bien, rien du tout. Ça, c'est beaucoup plus embêtant parce que c'est des dégâts flat 4. Ah oui, quand même. Costaud, la Chine. Hein. Et là, pour le coup, j'aurais su ça. J'aurais pu aussi peut-être booster une arme de tir sur les deux pour passer à force 7. Je demanderai la prochaine fois. Je demanderai la prochaine fois. Mais ça aurait été mieux. Ne faites pas ça. Non, faites pas ça. À la maison. Le dernier petit Wardog, il est trop beau. C'est mon préféré celui-là. Ouais, il est joli aussi. C'est un quadripède. Ouais, c'est les quadripèdes. Donc il va essayer de finir un de mes Achilles Ridge Runner. Ouais. Ou peut-être même il peut tuer les deux si. Il est très 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 chaud. J'aurais peut-être pu fiabiliser un peu plus si j'avais voulu balancer de la mortelle un peu sur toute mon armée pour que mes tirs soient quand même plus forts et fassent plus un damage surtout. Je pensais pas quand même à ce point rater sur du 3+, 3+. Ouais, non, mais c'est pas... C'est pas grave. Des 3 touches. Ah ! Touche à 3. Une touche qui blesse à 3. Oui, elle est... 6. Non. Bon, il avait plus il quoi. A deux... Attention, il a 2 PV. Oh ! Ça fait 2 fois qu'il te troll. C'est pas grave, regarde. C'est une mitrailleuse. Ah non. Allez. Je suis trop déçu. Allez. Ah non, mais j'y crois pas. Sur le 1 PV, t'as plus de relance. Allez, décharge. Bon, les IK étant pas si nombreux que ça, la viande étant pas assez attendrie. Ouais. C'est très embêtant. Faut y aller. Ces aberrants qui sont là ont un Feel No Pain à 5. Donc autant te dire que je pense que je ne les tombe pas. J'ai beau faire comme je veux, ça ne suffira pas. Sachant qu'ils réduisent les dégâts de 1. Ouais. Donc du coup, ce monsieur-là se ravise et il va charger ceci. Et il va faire un gros 6. Ce qui devrait largement suffire. Ensuite, celui qui est là, il va charger les mêmes. Vous êtes toujours là. Bon. Moi aussi, ça tombe bien. À peu près pas mal. Toujours l'objectif. Et je vais faire charger mon dernier ici. Toujours les mêmes. Ah, 3, c'est 3. Pas assez. Je vais la reroll avec un PC parce que j'en ai plein. Je vais faire 8 cette fois-ci. Et je vais du coup l'amener ici. Voilà, pour être contact, sur l'objet. 5, sur bon. L'objet, en contact. Enfin, pas à contact, à 0,5. Ouais. On est bien. Et paradoxalement, je vais faire taper en premier celui qui a le plus mal parce qu'il a un palier en dessous, donc il a moins de la moitié de ses points de vie. Du coup, il a plus un pour hit, donc c'est comme s'il n'avait pas de dégressif. Et surtout, il a une attaque supplémentaire parce que ça, c'est mon trait de maisonnée. Donc ça me fait 5 attaques. Allez, le knight va taper. Moi, vu que ce sont des aberrants, je vais payer un PC pour mettre une transhuman sur les petits aberrants. Ils sont que 5, ça me coûte qu'un PC. Je peux même le récupérer parce que c'est ton tour 2. Non. Oui. C'est très embêtant cette transhuman, mais on va voir. On touche sur du 3, on blesse sur du 4 du coup, alors que c'était 2 ou 3. Mais... Tiens, monsieur, voilà. Alors c'est quoi comme Là c'est PA moins 3, moins 4, quelque chose comme ça, mais... J'ai pas sauvegarde avec les petits monsieur. Hein. Par contre, j'ai du 2-1 et j'ai 3 PV. Eh bien, dans ce cas, ça fait donc un mort et demi. Un mort et demi, bien monsieur. Voilà. Bah, il m'a tué qu'un aberrant et demi, hein, donc aberrant plus 1 PV. Donc je vais riposte, je vais intercepter, hein, pour essayer de taper un peu. Je tape pas très fort, mais c'est du flat 3. On sait jamais, je vais taper sur un petit knight au hasard, celui-là. Alors voilà. Du coup, on va taper sur ton préféré, c'est ouais, ça? Ouais, je vais essayer de taper sur... J'ai récupéré un PC sur les deux, du coup, que j'ai dépensé. Je vais taper, du coup, alors j'ai pas de plus une attaque, j'ai rien, mais je tape quand même pas mal. Mm-hmm. J'ai ça qui touche à 3+. Ensuite, j'ai force 9, parce que je suis de l'hélice altérée et j'ai force plus 3 avec mon arme. Et 3+. Donc, à 3 pour blesser.
Tiens, c'est ça, c'est de la PA-2. Ah, 3, 4, 5, j'ai du flat 3, donc bon, ça, 3, 4, 5, 5 save à 5. J'en fais 2, 3. Ça fait 9 PV quand même. 9 PV, c'est... j'aurais pu en perdre un comme ça. Ça fait 9 PV, une petite attaque de queue. Regarde. Oui. Non. Ouais. Bon, du coup, j'en ai pas assez pour en tuer un. Il va probablement taper plus fort que s'il n'était pas entamé, mais au moins j'ai fait mes dégâts avant de mourir. Et, c'est bien. Si je meurs, j'ai fait quand même mes dégâts. Là, en moyenne, il y en a un et t'en as tué un et demi. Hein. Ils étaient 5 oui. En l'état, les deux autres suffiront pas. C'est pas impossible. Allez, le monsieur qui a pris un carton jaune là. Ouais, il a pris cher, mais du coup, il est déjà sur son dernier palier. Du coup, dernier palier veut dire on n'est pas content, on a plus 1 pour la touche, donc déjà au moins on reste à CC4. CC4. À 4, ok. Ah oui, que plus 1. Oui. Avec notre. Avec nos queues, notre épée tronche. On sweep, on whiff, non, on va pas whiffer, on va sweeper. Donc on fait 10 bourres au lieu de. Ouais, bon. Voilà, on fait la moitié, hein, du coup en stats c'est très bien, à 4. C'est même encore pire, on blesse à 4. Ah, ce qu'on veut surtout, c'est faire un point de vie à celui à qui il reste de des la points PA, de vie. Je suppose, comme ça. J'ai quand même encore un peu de PA, je dirais moins 2. Moins 2. Moins 2, donc ça fait quand même mes 2 PV. Et ben voilà, ben, donc, un mort et un PV. Et un PV. Bon, le dernier monsieur, du coup, est du pile-in, sortir de l'objet, parce que j'ai enlevé celui qui était là. Ouais. Sortir de l'objet pour venir taper. Donc celui-ci est entamé sur l'objet. Ah, ça m'ennuie. Fait des morts au moins. Hein. Allez, 4 attaques du coup, direct. Oui, aïe, aïe, aïe. Plus que 2. Blesse à 3. Ah, à 4 là. Du coup, bon, bref, ça change rien. Ah oui, à 4. Quoi qu'il en soit, j'en tuerai pas un de plus. Non. Donc voilà, c'est du lapé à moins 3, ça fait dégâts 2 du dégâts coup. 2, donc ça fait 1 mort supplémentaire. J'ai eu 3 morts en tout. Oui, voilà. Bon, du coup, les deux petits avirons sont un peu acculés là. Hein. Ouais. Mais voilà, ils ont un petit moral à faire quand même. Oui. 3 morts, ils ont un moral de 7, faut pas faire 5-6. Voilà, moral insensé. Insensé. Et c'est la fin de ton tour. Ouais, ça m'embête un petit peu. Est-ce que tu m'avais pris 0 unité? Oui, strictement 0. La chouma. C'est pas la joie. Après, on le sait, encore une fois, l'armée Chaos Knight, elle a pas beaucoup de fiabilisateurs. Donc, on voit. Des 3 tirs, 3+, 3+, pour peu qu'il y ait un moins 1 quelque part, pour peu qu'il y ait une bonne invue, un moins 1 de dégâts. Ça fait pas grand chose. Donc à un moment, de toute façon, on voyait bien qu'on n'allait pas réussir à faire le kill mort. On voit bien qu'en plus, 3 knights au close combat n'arrivent pas à buter 5 aberrants. Et c'est pas ceux qui ont feel no pain. C'est pas ceux qui ont feel no pain. Donc c'est quand même assez inquiétant. Voilà. T'as quand même la force de l'armée, c'est quand même plutôt la table, le contrôle de la table. Voilà. Là, complètement. Hein. On a pris la table, on a fait l'emprise, il n'y a pas de souci. On a une grosse backline de tir qui est encore pas trop mal. Voilà, mais j'ai des inquiétudes. On sent les faiblesses. J'ai des inquiétudes. On voit les faiblesses. Passe de commandement, l'ami Alex, il récupère un petit PC. Alors, je marque un petit PC, je mets 4 points de primaire. C'est pas beaucoup 4 points de primaire, mais oui, ça existe, on est en 2022, monsieur dame. Non. Donc je mets 4 points de primaire, après c'est pas grave. Je subis un petit peu, mais je vais me refaire. On va se refaire. Donc en phase de co, il n'y a pas grand chose à faire. Ce qu'on va faire, c'est que mon Primus qui est là va donner toujours la relance d'un pour blesser aux Achilles Ridge Runner et à un Goliath. Celui-ci, par exemple, parce qu'il n'y a personne d'autre pour pouvoir profiter de ça en phase de commandement. Et puis le Nexus a donné un tir croisé quelque part, je ne sais pas encore où, je pense sur le Warlord. Oui. Je vais essayer de taper un peu le Warlord au tir, c'est pas interdit. Voir un Fight Last, après le tir croisé me permet de mettre un Fight Last facile, donc il faudrait que je fasse ça aussi. Il a un Fight First. Il a un Fight First aussi, ouais, mais j'aurais ça le ramène ouais. Toujours à. Voilà. Ou sur quelqu'un d'autre, hein, je voulais dire. Donc voilà. Donc je vais garder mon jeton de tir croisé, je vais réfléchir un tout petit peu pour savoir où je le mets, puis après je fais la phase de move. Oui. Bon, ben voilà, ça pullule, hein. Au moins, là, mon moral va mieux. Tu vois, j'ai mis des fiches sur la table, je me suis plus content. L'infestation, il y en a partout. Il y en a là, regardez ici. Il y en a là, on n'avait même pas vu, il y avait une trappe, ils sont sortis 20 pécores là, hop. Et là-dessous, il y a quoi? Il y a 5 petits messieurs ici. Ah là là, on les voit même pas. Ils sont bien cachés, ils sont assis. Ah là, c'est terrible ça. Donc en gros, ouais, j'ai tout amené. Alors, dans l'ordre, de ce côté-là, mon patriarche, l'objectif c'est de reprendre ces 3 objets-là, de scorer du secondaire ailleurs sur la table, et de faire des dégâts. Donc d'amenuiser ta puissance de feu et de cac, de reprendre du terrain, on y va. On a quand même beaucoup. Là, je me rends compte que j'ai quand même beaucoup de réserves. Donc, Il faudra faire les charges, hein. C'est tout, hein. C'est juste ça. Donc, le patriarche, il est arrivé ici parce qu'il fait partie de ceux qui vont devoir taper ces deux messieurs au milieu, stopper un peu les emprises, stopper un peu le warlord. On verra. Un pack de Nestealer a pris sa place, donc il est arrivé en renfort. Celui de Nestealer qui était là au départ, donc ils n'ont pas de bonus particulier maintenant. Donc, ils ont une charge à 8 à faire. Les aberrants sont venus ici pour charger au centre sur une charge à 5 ou 6, je crois. Ici, on a un pack d'acolytes buffés, donc les 15 qui sont arrivés là à charge des 8 des 2. Eux, ils ont une charge à 3D, donc et gardent les deux meilleurs.
Donc il va falloir qu'ils y arrivent. Ils sont buffés, ils vont être encore un peu plus buffés. Ils peuvent totalement sortir les deux sans problème. J'imagine. Ils sont buffés, ils vont nous bouffer. Le Goliath tape un peu. Là, il y a les Steelers qui ont plus une attaque, le tour il charge, qui sont à 8 de ces deux messieurs, qui peuvent ignorer le cratère sur un strat. C'est quand même pas mal. Si j'en réussis une charge sur deux de ce qui arrive en fait, ça va quand même faire des dégâts. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a 5 petits acolytes qui sont arrivés. Donc eux, ils font un brouilleur. Bravo. En gros, eux, l'idée, c'est qu'ils, je pense qu'ils ne seront là que pendant un tour. Donc ils font un brouilleur pendant qu'ils peuvent. Et de l'autre côté, les néophytes sont arrivés là. Ils font une bombe. Alors pourquoi j'ai mis les néophytes ici? Parce que la ruine est très très fermée. Bon, on a une de chaque côté, bon, peu importe. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que mon secondaire qui me donne plus de figurines que l'adversaire dans sa zone, là, il t'assurait avec eux. Donc, tu vas devoir venir les gérer. Tu vas en tuer, je pense, au tir, on va dire une grosse dizaine. Je peux en relever un des 6, ça restera quand même pas trop mal. Et en tout cas, ils ont mis une bombe que tu ne pourras pas enlever, du coup, hein, factuellement, tu ne traverses pas les ruines. Donc, tu n'enlèveras pas ta petite bombe. Ouais. Donc, je donne tout là. Hein. Phase de psy, ma Magus va faire un petit. Une petite bénédiction sur les acolytes qui sont arrivés derrière elle. Oui. C'est la force occulte, donc plus une attaque. Ça passe à 10. Donc, ils auront plus une attaque, les petits cocos. Bravo! Et ensuite, son deuxième sort, c'est l'hypnose. Ou alors le sort de l'hélice qui sera les 6. Les 6 blessent automatiquement. Alors, pour un PC, je peux le faire partout sur la table, en fait, une bénédiction. Sans me préoccuper des lignes de vue. Mais le problème, c'est qu'il faut prédire où est-ce que je vais réussir mes charges. C'est nettement moins simple. Je vais garder mon PC et je vais le mettre sur les acolytes aussi pour qu'ils puissent bien tout défoncer. Ça passe aussi. Donc eux, ils ont, avec le Biophagus début de game, les 6 double touche. Là, ils ont les 6 blesses auto et plus une attaque. Ça peut énerver quand même. Ils ont 6 foreuses. Il faut dire que c'est pas rien. Il ne faudra pas réussir à rater la charge. On va en rater. Mon petit Brolord va jeter un contrôle nerveux sur le Warlord en face. Donc c'est moins 1 pour être moins 1 pour toucher. Tiens, voilà. Allez, super, je le prends. Prends. Ça fait une BM, j'ai un film de peine à 5. Un PV perdu. Voilà. Et tu auras moins 1 pour être touché. Et là, le Magus a fait les deux sorts, j'ai très très mal joué. Donc il va faire un petit smite sur le petit Ika. Boum. Au moins, c'est pas critique. Comme de par hasard. C'est pas un péril. Ouais, oui, c'est, par contre, c'est un critique. C'est un critique. Voilà. Tiens, bim. Comme de par hasard. Bzzz. Ça va s'arrêter 5 minutes là. Le Goliath. Il y a Nika qui a 3 PV. Je vais essayer d'éviter de charger celui-ci. Donc je vais lui tirer dessus avec mon petit concasseur Goliath. Il n'y a pas de marqueur. Par contre, il y a un exposé. Parce que tu vois, je peux tirer une ligne entre des figurines à moi et. Oui, c'est même plus simple tienne, comme ça. Pour blesser. Voilà. Donc, avec eux qui sont. En gros, c'est pas que là, ça va aussi à ça. J'aurais pu calculer un peu mieux avant. Donc j'ai pas plus un hit, mais j'aurais plus un bless. Donc des 3 petits tirs de. Laser mini lourd. Ça m'ennuie. A 4 plus pour toucher. Rien du tout. Mitrailleuse. Ah bah oui. Rien. Voilà. Donc pareil, ensuite on va tirer avec le Goliath et les Azachilles qui sont buffés par le Primus, qui vont tirer sur du coup ce monsieur là. Sur le Warlord. Qui est exposé aussi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que. Alors faut que je regarde. Si c'est un PC ou deux, je regarde. Et c'est bien un PC, donc je vais le faire. Donc mes Azachilles sont plus que deux, mais quand même, c'est quand même pas mal. Donc là, ils vont tirer sur le Warlord. Il y a un tir croisé, donc plus un hit. Donc le PC sert à relancer les touches si la figurine est exposée. Donc si on peut passer à travers, mais en fait si je peux tirer deux lignes à travers elle avec deux unités à moi. Donc plus un hit avec le tir croisé, relance des touches avec le strat, plus un bless avec l'exposé, et relance des 1 pour blesser avec le buff du Primus qu'on a donné avec la planificateur améliorée, etc. Donc pas mal de buffs, mais on va voir. Ça peut le faire. 2-3 tirs de canon laser minier. Oui. C'est 5, c'est très bien. Du coup, je touche à 4 plus un 3. Je touche à 3, relance. Full relance même. Très bien. Je vais blesser du coup à force 9. 3 plus 1 avec l'exposé. 2 plus relance des as. Bravo. Enfin, c'est très bien. Ça fait donc 5 saves. C'est très bien. 5 saves à moins 3. On n'avait pas précisé, mais je vais rotationner mes shields d'Aion. Il l'avait annoncé avant. Qu'on a dit 5. Et bon, on va le faire sur du 4. Allez, on y va. Ça en fait 2. C'est du D6 à chaque fois quand même. Hein. Je vais prendre un petit PC, il va m'en rester plus que 6 et je vais reroll celle-ci. Eh ben non, ça fera toujours. Eh ben 3 D6. Là. Tout va bien. Une explosion pour la route. Boum. Non, dommage. Ah bah là tu vois, c'est plus efficace. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on fait 6 sur les dégâts par rapport au 1, oui, bah ça fait statistiquement 6 fois plus de dégâts. Il me reste plus que ce petit Goliath là qui n'a pas tiré encore, qui va tirer sur le Knight qui est
plein centre. Donc là, j'aurai pas grand chose. Avec lui, je peux pas tirer d'exploser non plus. Donc rien du tout. Des trois tirs, un seul, touche à 4, un seul, voilà, c'est réglé, on n'en parle plus. Tire mitrailleuse, je vous le fais tout de suite. Mm-hmm. Je suis sympa, 4 plus, 5 plus, rien. Voilà. Très efficient, c'est Goliath. Je me suis lâché un peu sur les armes. Oui, il est par terre, oui, il a failli mourir, voilà. Je vais quand même utiliser 3 PC pour que potentiellement à la fin de la phase, il revienne sur un 4 plus avec des 3 points de vie. Voilà. 3 PC, très énervé. 4 plus, oui. Avec des 3 points de vie. Voilà, il n'y croit pas. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous. 3 PC. Ne le faites pas. 3 PC, c'est, il prend ma mère, quoi. C'est trop cher. C'est trop cher. Maman. Bon ben, ok. Donc fin de phase. Écoute, le tir est fini, hein. Oui. Donc tu peux faire ta fin de phase. On y va. Alors du coup, on y va. Ah non, c'est mais maintenant. Même si. Ne faites jamais ça. Ne faites voilà, jamais non, ça. C'était, voilà. Évident, c'était hein, 3 c'était évident. 3 PC perdus, comme ça. Comme ça. Comme ça, ils sont partis. Non mais je comprends sur comme un ça. Gros knight. Pourquoi pas. Après là, l'objectif c'était de contrôler cet objectif encore que je le finisse pas. Ouais. Il y avait quand même beaucoup de 6 pour 3 PC. Ouais. Mais bon, c'est facile à dire après, mais je l'avais dit avant aussi. Pas dit avant. Ok, bon. Alors, allez, fais tes charges bon, maintenant. Passant, parce que monsieur fanfaronne, mais fais tes charges. Je vais commencer par les grandes, et je pense que la plus importante, c'est les Steelers qui sont là-bas. Oui. Parce que si ce truc-là est super OP, il faut absolument que j'arrive dessus. Et si je le rate avec le Goliath, ça sera très triste. Donc, je vais faire ma charge à 8 là-bas avec les Steelers. Mm-hmm. Je vais même, je pense, je vais déclarer que celui-ci. Ok. Comme ça, en fait, là, il faut que je paye un PC pour ignorer le cratère, ça m'embête. Mm-hmm. Donc, je vais charger ici, c'est une charge à 8. J'en ai fait aucune tout à l'heure. Je commence par celle-là. C'est pour ça que je te regarde. J'ai peur. Et j'ai mon PC que je pense qu'il partira même là-dessus. Allez. Voilà. C'est ça mes copains. C'est ça les Steelers. On y va. Je vais charger avec mes acolytes. Sur les donettes qui sont là. Donc j'en ai mis un qui a 8 pas des 2. Oui. J'en ai 3 D, je prends les deux meilleurs. Hein. Je ne prends pas les 3. C'est un 8. Et c'est peut-être là que je rerollerai. J'ai pas peur. On y va. Pas de problème. Pas de problème. Bon, ceci, je les mettrai après. Ah, bah finalement, ça, monsieur fait comme chez lui. Ici, oui. La charge à 8. Allez. Attention, c'est... Est-ce que je fais le 3 sur 3 Voilà, jusque-là, tout va bien. Hein. Non. Tu vas la reroll. Bah, je vais la reroll. Bah oui, c'est la dernière plus importante, la plus longue, la plus machin. Hein. Je prends d'autres dés. Allez. Oui. Il l'a fait. Incroyable. C'est peut-être trop facile. Incroyable. Ok. Donc, ça, c'est miraculeux. Donc les Steelers vont là, et ensuite la seule difficile un petit peu qui me reste, c'est les aberrants sur ce monsieur là, je crois que c'était 6. Ouais, je vais dessus, parce que les acolytes ont réussi la leur, donc... Est difficile quand même. Tiens, là, oui, voilà, restez chez vous. Oui, reste là. Donc le Broodlord sur ce chevalier ici, oui, il va venir là, hop, et le Goliath va charger les deux ici, il va venir là, poum. Poum, allez, on met les acolytes. Allez, le papatriarche. C'est le papa, patriarche. Voilà. C'est Lamar qui disait ça. Finalement, quand tu disais Broodlord, c'est mieux. Ouais. Broodlord, non. Chie-toi dans la colle. On pense à toi là-haut. Donc, le Broodlord, on va l'activer en premier parce que c'est peut-être le seul qui risque de mourir à l'interception. Donc, il a 6 attaques. On rappelle qu'il a la relique Hélice Altérée qui lui donne 2 buffs de Biophagus, donc le film de Pena 5 qu'on a vu tout à l'heure, et les 6 explosifs. Donc, on se rate pas et touche à 2, les 6 explos. Il n'y a pas de 6, c'est pas ouf. Et non, il a force 6 plus 1 avec hélice, donc il blesse à 4. C'est beau. Plus 1 pour blesser, la même pour blesser. Non, force 6. La même. Full reroll. La même. Allez. Voilà. Allez. Donc là, avec sa. Les stats sont belles. Ouais. Donc c'est du la PM 3 pour flat 3. Sur du 6. J'en passe une. 3, 4, 5, 6. La belle explosion, oui ou non. Viser la table, ça peut servir. Dommage, j'avais un ou un 2, un 3, 8, un 9. Non. Rien. N'a pété, tout va bien. On va pouvoir l'enlever ou intercéder ou payer 3 PC. Il aime pas, hein. 3 PC pour le revenir. Il aime pas, lui, hein. Tu veux vraiment le faire? Je claque 3 PC et il reviendra sur un 4. Alors, avant de vous excuser dans les commentaires, oui. La situation a été réfléchie. Hein. Oui. Il y a des cuts sur la vidéo, mais en vrai, il a réfléchi. Pas, hein. En gros, l'intérêt que tu as, c'est que si il revient, oui. Si il revient, oui. Hein, les 3 PC ne reviendront pas, hein. Mais lui peut revenir. Oui. Ça te fait déjà un primaire de plus, parce que tu auras 3 WM que 2. Oui. Et ça te fait également une emprise qui est assurée. Mais bon, tu pourrais la prendre. Non, mais peu importe, suffira. Oui, mais ça me fait un knight debout sur la table. Sur il est plus. Debout sur le zinc. Sur 4 plus pour sur un 4 plus. En vérité, quoi qu'il en soit, c'est... les stratagèmes qu'on a à côté ne servent à rien. J'ai aucun stratagème qui est intéressant. Ou éventuellement interventionner pour éventuellement faire 2-3 Steelers morts ici, même si je fais des sweeps, ça ne suffira pas. Tout ce qui est là est mort. Je perds potentiellement peut-être 5 knights. Sur un 4+, je peux en relever un. Voilà, c'est tout. C'est ce que je veux. C'est tout. Voilà. Merveilleux.
Je n'ai rien dit. Tape maintenant. On va taper ici. Allez, voilà. Sans grande surprise, les Steelers de ce côté-là vous ont lavé le Knight à 5 points de vie. Il n'a pas explosé. Ici, non. Les Steelers suivants s'apprêtent à faire strictement la même chose, n'est-ce pas? On fait vite fait. Allez, vite fait alors. Parce il, y a sept, il y en a 7 qui tapent. Ils ont plus une attaque. Hein. Ah oui, ils ont plus une attaque. On n'a rien c'est fait. Bien, c'est tout. Donc à 2. Bless à 5. Tout allez. Le temps avec la force. Bless à 5. Tout à l'heure, il en a fait 10 sur le petit Knight tout seul là-bas. 12 de petit P à moins 3. Écoute, j'en propose déjà 5, c'est déjà bien. Si je fais un triple 6, je te l'enlèverai. Est-ce qu'il explose? Ça, c'est ce que tout le monde a envie de savoir. Non, il n'explose toujours pas. Il est décédé. En sachant que là, pendant que vous êtes là, les Steelers n'ont pas tapé pour rester à portée de piline. Pour cliquer ce monsieur, voilà, pas qu'il aime va faire trop de embêter. Suite, il va faire ah piline, bravo. Voilà. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que là, donc effectivement, maintenant qu'on a des gravitons, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le graviton, n'est-ce pas, c'est une arme à blast, donc ça tire pas dans le close. Donc tu vas rester un peu là. Allez, le Goliath en close combat sur notre ami Chaos Knight. Je vais essayer de le broyer avec ma lame. Il a 8 attaques, le Goliath, 6 sur profil, plus 2 en charge. Eh ben. Par contre, il touche à 4. Eh ben. Force 8, blesse à 3 plus. Oh bah ça fait qu'une. Oh, à moins 2 dégâts 2. Chagrin. Non, elle est pas sauve. Deux petits PV. Deux dégâts. Allez, c'est il tout. Il reste 10. Allez, on va faire les acolytes. Je vais les suivre parce qu'il y a tellement de buffs. Là, c'est un petit peu compliqué. C'est n'importe quoi. En plus, bon, il y a 3 foreuses là. 3 foreuses là. Hein. Voilà. On commence par laquelle? Celle-là. Celle-là, c'est très bien. Il lui reste 4 points de vie. Regardez, ça va être très vite réglé. Donc, les foreuses. Les foreuses. J'ai plus une attaque chacun. Oui. Je vous montre que c'est un peu compliqué. Plus une attaque chacun. Les 6 double touche oui. Et les 6 blesse auto. Oui. Mais cette arme là blesse auto déjà. Donc ouais. En fait, les 6 que je vais double proquer ne feront pas des blessures auto. Il faudra quand même que j'aide des blessures pour celle-ci. Et en plus, les 6 vont faire des blessures mortelles. Tout à fait. Voilà. À la touche. Donc, en fait, donc là, c'est infernal. Voilà. Il n'y a pas ça de 6. Pour ça, c'était très bien. Il y a pas de 6. Ça touche à 2, à 3. Ça touche à 3. Voilà. C'est des blessures automatiques. Voilà. Donc ça, c'est des blessures et c'est de la PA. Je crois bien que c'est de la PA moins 3, malheureusement. Dan TD. Voilà, il est mort. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'était super. Voilà. Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Est-ce qu'il explose? Explosion? Non, pas du tout. Allez, l'autre Knight, donc les 3 autres foreuses, même tout chose. Pareil. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 BM. Voilà, 6 BM. Donc ça, voilà. Ça fait les touches ratées. Ça fait des blessures auto. Oui. Et ça fait des touches supplémentaires qui doivent blesser à force plus 2. Voilà. Donc ça fait 3 blesses à paix à moins 3. Non, ça fait 6 blesses. Je te vérifie la PA ça quand même. Déjà 6 blessures mortelles et 6 blesses à PA moins 6. Non, PA-8, pas PA moins 6. Ça fait tout pile 6 tout raté parce que tant que la PA n'est pas de moins 2. Moins 4 la foreuse voilà, lourde. Voilà, quoi qu'il en soit. Il est définitivement décédé également. C'est fait voilà. Forer. C'est réglé. C'était une escouade d'acolytes qui vient de se faire de Knight. L'explosion du deuxième n'est toujours pas prise en compte. 5 Knight à 0. Ça, à part ça, ça cogne. Hein. À la fin du premier tour, oui. Comme disait Alex, j'ai rien pour tomber les gros. On est mal. Varier, je sais pas hop, ce que je vais mettre un pied là. Envoyez vos dons. Voilà. Mais les renforts sonnent la charge. Ah oui, là c'est. Ok, sur la conso, on s'en fout un peu. On va rester là, un peu groupir. Bon, t'as fini ton close? J'ai fini mon close. Tu peux taper d'abord là-bas. Que je t'ai cliqué. Oui. Bon, alors là, la bonne blague, je vais vous faire 4 attaques de petit knight sur les messieurs. Ça va toucher sur du 3, ça va blesser sur du 3. Ah ah oh là là, je. 1 vient 4. Ah bon, ben de mort. Hein. Ouais, c'est plus que ferait un knight de close combat. Et si vous aussi vous vous posez la question de savoir si ça valait vraiment le coup de payer 3 PC pour faire revenir ce monsieur là, c'est le moment. Parce que, bien sûr, ça valait le coup. Non, pas du tout. Alors là, c'est une catastrophe. Parce que là, on a claqué 6 PC sur le tour d'avant pour faire ça. C'est pas forcément stratégiquement très intelligent. Non, mais le 4 plus aurait apporté quand même quelques points. Le 4 plus là, évidemment, quand tu rates, c'est pas drôle. 4 points supplémentaires, mais... de quoi buter un personnage tout de suite. Non, mais en fait, ce straté nul. 4 plus, 3 PC, c'est pas possible. Le straté est pas très bien, mais tout le codex est pas très bien. Pas mal. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est faire repartir quelqu'un dans les ombres. Au revoir les aberrants. Et repartir pour un PC. Ils reviendront. Sur ce, du coup, tu as marqué 6 x 2, 12. Ah, je suis presque capé en un tour sur les abattez-le. En un tour, c'est bien. Donc okay. Ensuite, j'ai fait une deuxième fois Nakmund. Nakmund, oui. Ici, pour le coup, donc j'ai fait de ce côté-là et de ce côté-là. Donc j'ai marqué mes quatre premiers points de Nakmund. Oui. Et alors, ce qu'il y a de bien par contre, c'est que j'ai plus de figurines à moi dans ma zone de déploiement. Oui. Ça, c'est la nuée du couvain. Je mets un point. J'ai plus de figurines que toi dans le No Man's Land, puisque j'ai l'impression quand même que tu en as 4
C'est pas sûr. Hein. C'est les 4 péons. Non, j'en ai plus. Hein, même tout ça, c'est dedans aussi. Hein. Oui, tout à fait. Non, mais c'est ceux-là que donc j'en ai un peu plus quand même. Donc j'ai plus de ce côté-là. Après, c'est normal qu'on clique. Hein. Là, il y en a 20. J'ai plus d'entendre les paiements. Ah, donc je mets du coup 3 points plus. Hein, parce que j'ai un 4ème point bonus quand j'ai les 3. Donc je marque mes 4 petits points de secondaire sur le mini couvain. C'est très bien. Ce qui est très bien, en vrai. Bravo. Ce qui est très bien. On passe à mon tour 3. En vrai, ce qui est très bien. Ça fait moins rire. Ok, phase de commandement du tour 2, on est allé un peu 3. Vite, du tour 3, sinon je suis perdu complet. On est allé un peu vite, je marquais 8 points parce que je tenais deux objectifs, ceux qui sont sur mon côté gauche. Du coup, votre côté droit à l'image, je récupérais mon petit PC et c'est strictement tout. Fin de la phase de move. Ça, c'est les morts là-bas. Hein. Ça, c'est les morts. Non, normalement, on peut remonter toute la ligne comme ça. Je vais nettoyer, vous inquiétez pas. Plus il y en a, ça fait la marge de progression. Il en reste encore. Hein. Il en reste, mais il y a beaucoup de choses à s'occuper. J'ai 5 aberrants en faible qui peuvent arriver par mes fesses. Ça ne m'arrange pas forcément. Bon, on a essayé de se positionner pour, de toute façon, marquer l'emprise. Le plus simple étant déjà en fait, d'avancer le knight qui était là pour le faire. Ici, on a une solution pour éventuellement fumer le patriarche. À la fois avec notre multifuseur et surtout si on le rate, on close combat surtout. Ici, notre chevalier qui était engagé avec les Steelers ici s'est barré. Et il s'est juste désengagé, il bouge de 15, donc se mettre là. Quoi. Et puis il est super OP. Il tient l'objectif, il est super donc, opérationnel, il compte moi, bien pour content, 5, j'ai mis un petit 1, 2, 3, 4, ballot. J'ai mis un petit acolyte super OP, mais ils sont pas assez nombreux, j'avais pas le move sur la console pour le faire. C'est balibalo. C'est pas très propre. Mais du coup, ça me permet de récupérer cet objectif. Ouais. Donc en l'état, là, l'emprise est déjà réalisée. On est content. Bon, alors celui-là va peut-être disparaître. En fait, le plan, c'était en fait, de tirer un maximum de Gen Stealer ou venir au close combat directement. J'ai perdu un point de vie sur une blessure mortelle sur le bonus infernal. En fait, pour avoir plus 1 damage et plus 1 en force sur une arme de tir. J'ai fait strictement la même chose avec ce monsieur-là aussi, mais donc celui qui s'est rapproché au maximum du centre pour avoir plus 2 en mouvement avec celui-ci. Donc les deux-là ont perdu une blessure mortelle. Je vais le laisser là quand même. Lui, du coup, a été obligé de se redécaler pour prendre une ligne de vue sur les copains derrière et éventuellement d'aller les charger si vraiment tout partait en cacahuète. Lui, ici, va pouvoir tirer là où il peut. On verra comment on va régler ça. Ici, du coup, celui qui a le Lightning Lox, il va tirer sur le pack de 20 acolytes qui est là. Néophyte. Il est fortement improbable que je les tue tous. Le problème que j'ai, c'est que si je voulais que tout le monde puisse les voir, et encore c'est pas sûr, parce que suivant ce que t'enlevais et tout ça, je pouvais peut-être me retrouver fumé. Ouais. Je pouvais amener celui-là, au lieu de l'amener là, l'amener ici, pour prendre une ligne de vue là. Mais du coup, je lâche l'objectif au milieu. Oui. Et puis après, il va m'en rester un ou deux, et qu'ils vont aller venir le prendre. Voilà. C'est naze. Hein. C'est pas top. On va voir. Hein. C'est quand même, voilà, t'as repris ton emprise, t'as encore les dégâts à faire. Je vais quand même enlever quelques trucs, j'espère. Il faut que je les enlève parce que si je les enlève pas, ça va être compliqué de remarquer les kills morts. On n'est pas trop mal. Mais il faut pas rater la phase de tir, n'est-ce pas? Allez, mon copain qui est ici, du coup, il va tirer sa lance thermique ici et ses 3 tirs de traillette dans les petits Gen Stealer du fond. Les petits acolytes. J'ai peur pour les acolytes. Allez, je vais commencer par la traillette déjà. 3 touches, c'est de la force 5. À 3 plus. Ça a été utile d'utiliser ce PC. Non, t'as pas de PA, il n'y a pas de PA. Pas de PA. Écoute, un petit PV. Hop. J'avais une nouvelle à 4 plus 5 plus le couvert. Donc, un petit mort qu'on va enlever. Et tiens, on va faire partir mon sergent malheureusement. Go, lance thermique. 3 sur le patriarche. Tire de lance thermique. 2 touches de lance thermique. Oh, 0 blesse. T'as rendu 5 ? J'ai rendu 5, mais de toute façon, tu ne blesses pas à 2 plus. T'as une relance, t'as un PC. Du coup, sur ce magnifique tir de voilà, excusez-moi, c'est lui qui va passer tirer sur le lit. Là. C'est un patriarche. C'est insupportable, mais non, c'est un patriarche. J'espérais tellement finir un ou deux trucs là-bas. Il voulait tirer sur les Achilles. Je pense que c'est vraiment pas ta priorité. Hein, non, là, il faut que je tue lui. Il faut le tuer. Et en plus, il me rapporte des points de personnage. Tout à fait. C'est le seul sûrement que tu vas avoir dans la game. Donc, 3 tirs de traillette dans les petits acolytes. Toujours la les même chose. Les mêmes acolytes derrière. Oh là là. Une seule. Il blesse. Bah, je fais la save sans que tu regardes. Fais-moi pas un 6, s'il te plaît, j'en ai marre. Bon, j'ai fait un tas mort. Ah là, c'est bien. Ouh, ouais, super, un mort. Un petit mort d'acolyte. Allez, la lance. 2 tirs. Touche à 3. Blesse à 3, du coup. Eh oui, il y a toujours un 2. C'est incroyable. Une invue à 4. Je vais te la relancer. Allez, relance là, ça me va. Est-ce que je récupère mon PC d'abord sur un 5-6. Non. Et la vue à 4, je vais la rater maintenant. Allez. Voilà. C'est bon.
Il me reste deux PC et mon petit patriarche est intact. On va faire tirer ce monsieur-là sur les Gen Stealer ici. Ah, et t'aimes pas les Stealer, hein. Ils t'ont pas fait plaisir. La bonne nouvelle, c'est que c'est du Blast. Ah, c'est une super nouvelle. Donc, t'es combien? Je suis plus de 10. Plus d'accord. De 6. Plus de 6. Ah non, je suis 10. T'es 10. Ah non, c'est minimum 3. Ah, c'est nul. C'est minimum 3. C'est pas grave. Du coup, c'est 2d6. Ah bah c'est mieux que 12. Et ben 3 et 3. Allez, 3 droit, plus. T'as droit ton bonheur. Allez. À 3. 2, 3 save. Invulnérable à 4 plus. Oh, 3 morts. Je prends. Allez, ce monsieur-là, il tire sa lance thermique et ses mitrailleuses dans les petits stealers comme, les petits acolytes qui restent là-bas. Bah vas-y, mais fais comme chez toi, mais déplace beau. La figurine. Je mets au moins dans le bon sens et je montre comme il est beau. Oh là là. Lance thermique et mitrailleuse. Allez, mitrailleuse, 3 tirs. 3 touches. 2 blesses, 2 saves. J'en ai encore 2 mois de couvert, je pense. Allez, 1 mort. 1 mort. Il en reste 2. La lance, 2 tirs. Une seule touche, une seule blessure. Non, là il est mort, là, je peux rien faire. Là. Il en restait plus qu'un ? Non, il en reste encore un. Ouais, il en reste un, mais c'est ça. C'est bien ça le problème. Il est là. Allez, ce monsieur-là, c'est le seul qui a les Latlin Locks. Il va tirer ici. Dans mes pauvres petits néophytes. On touche sur du 3 et les 6 font double. Donc, explosion. Triple touche. Buse. Il n'y en a pas un seul. Il y en a un seul qui va se permettre de prendre les deux as qui sont là. Et oh, c'est nul. Oh là 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 là, c'est quand même pas la joie. Ensuite, force. 2 plus, force 6. Non, jamais de 2 plus. Eh ben 3 plus, go. C'est de la PA ? Moins 1. 7 pauvres petits morts dans mes petits néophytes. Allez, ce petit knight là, il va tirer ses gravitons pulsars dans les stealers du fond. Ils sont encore assez complets, les stealers. Allez, 2d6, 9. Est-ce que ce serait le moment où on se réveille ? Touche à 3. Non, quand même pas. Blesse à force 5 ou 6, à 3 plus, quoi qu'il en soit. Ah oh bah 3. Allez, 3, un avenir avec 4 plus. Allez, j'en fais. Et 3 fois 4. C'était cool. La triplette de 4. Allez, dernier Morax. Ouais. Ouais, dernier Morax sur bas du Graviton pulsar sur ce monsieur qui est là. Patriarche. C'est un peu catastrophique en l'état. Hein. Disons que t'as peur que ce knight là, même s'il réussit la charge, le rate, hein, parce qu'un vulnérable à 4 et Finopenia 5, c'est pas dit. Et s'il le rate, il va prendre une baffe en retour. Go pour la charge du coup. Non, je dis non, pas. Le tir. Go pour le tir. 2d6 dans le patron. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dégueulasse, il y a des dés partout ici. Ouais. Touche sur du 3. Et blessure du 3. Mais si tu ne croques pas ? Non. Non. Bon, bah 3. Endurance 5, 6 PV. Donc 3 qui passent, 3 invulnérables à 4. Et puis dégâts 1. 2. Dégâts 2. Donc ça fait 4 petits Finopenia 5. Ah oui, il y a ça aussi. Et ben 2 PV. 2 PV. Il faut ramer pour enlever 2 PV à un truc. En phase de charge. C'est insupportable, les mecs. Il y a de la haine envers cette personne. Il y a du sel. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'en fait, ce type-là, s'il est là, s'il survit, si je le laisse là où il est. Là, lui, il dit, bah, je claque 2 PC, tu sais quoi. Derrière, je mets une bombe sur mon tour. Ensuite, je vais me planquer là. Ou, attends, il va surtout se planquer d'abord, mettre une autre bombe et ainsi de suite. C'est ça. Enfin, bref, donc je suis obligé de les tuer parce que sinon, c'est l'enfer. Donc il fait une charge avec le petit muret qui est là. Une charge, on a dit quoi? 6, 3, 9. Mmh. Bah allez, hein. Allez. T'as un PC d'ailleurs. Ouais. Bah voilà. Eh ben 10. Ouh, eh ben on va la prendre. Hein. Allez, deuxième charge. Allez, notre ami ici sur le patron. Ça tombe bien, on a gardé un PC si jamais ça suffisait pas. C'est bon, c'est un 9, 6, vous le voyez. 6, 3, 9. On va la faire en drifter, c'est-à-dire vouh, hop là, coucou. Pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Même drifter ici, un peu je suppose. Plus. Et ici, sur les stealers devant, bon, on a une charge à moins 2, mais on fait un gros 11, voilà. Facile à dire maintenant, mais tu avais quand même prévu de les attendrir un petit peu, donc. Oui, bah oui, voilà, résultat, j'en ai fait. Rien bon, du coup, vu que... Le problème, c'est que vu que la charge va réussir ici, il est sûr que mon acolyte va mourir, et donc mes deux PC me servent à effectivement intercepter quelque part. Donc il est obligé de commencer ici par le patriarche, sinon c'est la catastrophe. Si vous faites cette armée à la maison, assurez-vous que vous savez faire du 3+, 3+, qui réussit bien. Parce que là, j'ai que 4 bourres sur ce fichu patriarche. 3+, 3+, invulnérable à 4, une panne à 5, et dégâts flat 3. Ça peut rater. Hein. Faut que je te fasse 2 damage. Ah, un seul. Oui, sans Finopain. La bonne nouvelle, c'est que pas mal. 3 plus sont blessés, puisque les deux sont ignorés. Je vais prendre mon PC et reroll un as. Voilà. Ça en fait 3. Allez, tu fais 3 invus. T'en as déjà fait 4 tout à l'heure sans Allez, j'ai penser. Un PC. Une qui passe. Deuxième. Qui passe. Bon, je crois que c'est l'heure. Enfin non, hein, je vais en reroll une. J'en reroll une. C'est parti, mon grand. Voilà. Donc maintenant, tu me fais 3 PV. C'est insupportable. Et j'ai un Finopain à 5, c'est ça? Bah oui, oui. Il suffit que j'en fasse un et il reste un PV. Oui. Allez, on y croit. Allez, mon grand. Oui, il est là. Et t'as un PV. T'as plus que ça. Mais j'ai plus qu'un PC. Et non, parce que c'est le tour 3 de mon adversaire, j'ai pas encore récupéré de PC, je peux le faire sur un 5-6. Je le jette au bon endroit.
Et voilà. La 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 la. Ce qui veut dire, c'est que mon PC revient et que je vais intercepter le combat avec mes Genestealers. Mais je vous en prie. Moi, c'est très important parce qu'il va pas m'en tuer 50, quoi qu'il peut sweeper quand même. Donc si si. Du coup, toutes les attaques de Genestealers dans le monsieur. Voilà, il y en a 9 qui tapent, donc il y en a beaucoup. C'est lui de plus, 4 pains chacun, les 6 font rien, et ensuite il blesse à 5, il a perd moins 3. Il se peut qu'il y passe. 11, mais il a 11 PV, perd moins 3, il faut juste faire du 6. Comme ça, je pourrais rager sur tes dés comme ils sont pétés. Ah, si t'en fais 0, oui. J'ai pris les dés d'Alex, puis j'en ai ras le bol. Allez, bah voilà. Ok, c'est bon. Un seul 10 PV, il en reste 1. Eh, t'en as fait 5 le tour d'avant, le jet d'avant. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'on peut laisser le 1. Funaise. Allez, la riposte du petit knight. Ouais, bah du coup, on y croit plus trop. On y croyait déjà pas trop avant, mais alors là, autant dire que c'est la catastrophe. Parce qu'avec notre PV qui reste. On a certes une attaque de plus, du coup là on fait que du sweep, mais voilà, on touche sur du 4. Du 4. Et on blesse sur du 3. Allez, go pour 4 invuls. Pour 4 stealers, c'est quand même pas rien. Hein. Ah bah 4 morts quand même. Ah. Aïe. Et on a fini chez les Chaos Knights, on part sur le patriarche. Hein. Bah ouais, le petit patriarche, ouais. Bah allez. Hein. Ouais. Et bon, lui il n'est pas dégressif. Hein. Non. Il touche à 2 les procs sur les 6. Bah les 2-6. Voilà. Voilà. Tout va bien. Il blesse à force 7, donc à 4 plus full reroll. La force 7 grâce à l'hélice. Mm-hmm. Perd moins 4, bien moins 3. 3, moins 3, 4, 5, elle perd moins 3. 5, elle perd moins 3. Non, les 6 sont perd à moins 8, moins 12. Les 6 sont perd à moins 6 et dégâts 4 en plus. Voilà. Donc, perd à moins 6, je peux rien faire. Est-ce qu'il explose, s'il te plaît? Oui. Non, bah non, bah toujours pas. Désolé. Voilà, ça s'appelle le dégâts flat 3 sur les 6 et qui passe à plus 1 avec sa relique. Bon, le monsieur Knight là a quand même réussi à sortir l'acolyte avec toute sa haine. Ouais. Avec sa grosse pince de crabe. Avec sa grosse haine, ouais. C'est un peu celle que j'ai aussi, je t'avoue. Oui, il est un peu. C'est un petit peu dur. On est très chafouin. Le moral du chaotique. On est très chafouin parce que bah, on a whiff partout. Mais là, c'est ton tour. Partout. T'as rebondi encore. Alors, certes, je conçois aussi que sur certains aspects, peut-être, on demande beaucoup en termes de tir. Mais là, j'ai 2 des 6 tirs. Je crois que j'avais fait, je sais plus, 6 qui font du damage 2. Bon, ok, Infino Pain, blablabla. Plus les attaques de lance thermique, niet. Plus le close combat, niet. Bon, la riposte. Que ce soit en tanking, bon, là il a une relique, un trait et le biophagus. Mais que ce soit en tanking ou en létalité, le patriarche est monstrueux. Il est très très bien. Hein. Monstrueux. Il est très très bien. On peut être content que là, les on a stealers, fait un bon pareil, move pour prendre les objets. Donc bon. Oui, voilà. C'est R. En fait, on a contesté du primaire plaisir. Et c'est tout. Donc maintenant, a posteriori, je peux le dire, parce que c'est la première fois qu'on joue cette liste-là en Chaos Knight, je pense qu'effectivement, ça se joue principalement juste sur le scoring sur les objets. C'est peut-être moins fun que ce qui n'y paraît. Et très très peu sur la létalité, puisque bah, la létalité ça va être ces gambles à tous les étages. Vous avez rien pour fiabiliser, donc c'est très compliqué. Par contre, je veux bien plein de petits tests de morale. Alors on va faire le morale, oui, tout à fait. Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. Hein, ici il y a eu 3 morts. Oui. Donc un test de morale, ils ont 10 de commandement, donc c'est bon. 5 et 3, 8, tout va bien. 5 et 3, 8. Ici il y a eu 4 morts. Oui. Donc ils ont 10 de morale. 5 donc, et 4, perdra pas. Bravo, lui il est mort. Est mort. Et eux là-bas par contre ont eu moins 7. Oui. Donc on fait un petit 3, c'est perdu. Peut-être 3, 10, il y en a un qui s'en va. Il y en a un, et donc il me reste... Eh ben 8, 4, de toute 5, façon 6, sur 6, des 8, as, 8, quoi 9, qu'il 9, en soit. 12. Donc il reste 12 personnes, sur des as on en enlève encore quelques-uns, on enlève 2, il y en a plus que 10. Bon, fin de tour 3 des RK, c'est pas un très beau tour. On n'a plus les crocs. C'est la fin du tour 3, la bonne nouvelle c'est que je marque la domination, c'est à peu près la seule chose que je vais marquer. Je vais aussi te contraindre. T'as quand même enlevé beaucoup de primaires. Sur le primaire, ouais. Ça c'est certain. Le primaire et on normal. Est que tour 3. On est que t'as tour 3. T'as tellement de tirs. Et encore ce patriarche qui, encore une fois, fume les mecs les uns après les autres sans sourciller. 5 stealers fument un knight. Non, les acolytes sont encore bien. C'est très très compliqué. Je pense que je survivrai pas à la game. Sûrement c'est tour là. Sauver des points. Ça. Le problème c'est que je vais encore pouvoir beaucoup scorer les primes secondaires. Ouais. Hein. Et moi l'assassinat, voilà. Non, sûrement même que le. Ouais. Bon, voilà. Allez, quoi. On va à ton tour 3 à toi. Mon tour 3. Alors phase de commandement. Du coup, je récupère un PC. Je marque 4 points de primaire. Hein, c'est pas beaucoup. Hein, et ça fait 2 fois que je marque 4 points de primaire. Bon, on a compris que c'était pas trop grave. Mon Primus qui est là, hein, dans mon petit tas de personnages, va donner sa planification aux acolytes, donc relance d'un pour blesser, et aux Rage Runner, aux Achilles. Mm-hmm. Mon Exos a pointé du doigt ce monsieur avec son téléphone pour lui donner un petit jeton de tir croisé. Ok.
Et puis, et ma foi, c'est tout. Hein. Et on peut aussi relever des gens, c'est eh ça, oui, pour hein, la phase de com. Une petite icône du culte. Oui. Alors là, pour le coup, elle va surtout me donner un petit peu de, peut-être de mouvement. Bon, on va voir si je peux arriver jusqu'à l'objet. Des 6 bonhommes sur des néophytes, ça fait 4 néophytes qui reviennent. Donc je des vais 6. Gagner oh. un petit peu de portée pour aller prendre l'objet. Mais c'est tellement parfait. Et voici la fin de la phase de move. Bon, bah c'est super, hein, ça se, franchement, j'adore. Hein. Les Lys se projettent super bien avec le plus un move, les Steelers, bon, en plus quand ils font des belles charges, c'est incroyable. Comme c'est rapide, comme c'est létal. 6 de sprint là. 6 plus 9, ils ont 9 de move de base, plus le sprint à 6. En plus, tu as un strat pour faire un sprint auto à 6. Donc je peux utiliser. Donc c'est super bien. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, mes néophytes sont sortis pour venir sur l'objectif et faire les brouilleurs. Faire les brouilleurs. Les données de Narmoon. Récolter les données de Narmoon. 5 aberrants qui sont arrivés ici. Oui. Donc les brouilleurs ont déjà été faits ici. Ils pourraient poser une bombe, mais je pense qu'ils vont tenter de charger. Une charge à 8, ils seront sur l'objectif. Voilà, pas mal. On va voir. Une charge à 8, j'ai un PC du coup qui servira sûrement à ça. Ouais. Là, on est resté. Le patriarche venu s'occuper de là avec l'appui du tir. Le Goliath et les acolytes vont s'occuper de l'autre knight. Ici, mes petits aberrants qui sont deux vont tenter eux de faire un désamorçage. Non, j'allais dire un Arkmoon, pas du tout, puisque j'ai fait là-bas. Donc le désamorçage, c'est sur un 4+, puisqu'ils sont pas super OP. Allez. Donc il faut faire un 4+. Voilà, bah ils ont raté. En même temps, ils sont un peu nuls. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour la phase de move. Du coup, donc on a fait un troisième Arkmoon, c'est cool. On va faire vite fait une petite phase de psy. Le Magus va donner plus une attaque à mes petits acolytes. Ouais. Ça ne passe pas, mais il a pour lancer un sort par tour avec son familier amélioré. Bah, 8, c'est bien. Ça passe. Et ensuite, il va faire les 6 blesses auto. Allez. Qui passe aussi. Ensuite, mon Broodlord va faire un petit smite qui passe à 10. Oui, rien à dire. Qui fait une petite blessure mortelle. Ok, il me reste 11 PV. Et puis, va lui mettre moins une. C'est quoi? Moins une attaque. Au moins un pour toucher. À 8, moins 1 pour toucher, c'est pas mal. La dernière fois que tu as mis moins 1 pour toucher à quelqu'un, il est mort avant d'avoir pu s'en servir. On sait jamais, on sait jamais. Okay. Donc voilà, très bien pour le psy, c'est bien. On va passer au tir. Là par contre, j'ai mal joué. C'est que j'ai pas fait très attention à avoir des exposés. Je pense que dans ma chance, je l'ai quand même. Lui, il est définitivement bien exposé, tout ce que tu veux. Celui-là aussi. C'est surtout celui-là que je voulais exposer. Ouais, ouais, celui-là, mais il avait déjà le tir croisé. Il est exposé et en par plus. Contre, plus je un touche, pas, plus un bless. Je l'ai aussi avec le Goliath là-bas. Oui. Donc, en fait, tout va bien. Il est mort. Il est définitivement mort. Donc, on y va avec les Rage Runner. Lui et tous ses potes d'ailleurs. Les Rage Runner qui vont tirer dessus. Oui. J'ai pas de relance de touche par contre là. Mais j'ai quand même plus un hit, plus un bless. Donc, 2-3 tirs. Bah voilà, s'il tire. Ok. Tu touches à 3+. Yes. Voilà. Qui blesse 3+, relance des 1 par contre, parce que là par contre j'ai le Primus amélioré. Ok. Voilà, relance des As. Voyez, c'est parfait. Deux As. 4 PM 3. Sur vu. J'ai mis 5 qui en fait 3. Une seule qui passe 3. Et bah 3 des 6. Oui. 3, 4, 6, 7, 8. Allez, bah il en reste. Il a perdu un smite, donc il en reste 2. Il en reste 2, tout à fait. Allez, je te fais les mitrailleuses, tiens. Oui. Allez. Parce que même les mitrailleuses à plus un hit, plus un bless, ça peut le faire. Hein. Donc, tout à fait. Ils ont 2 mitrailleuses chacun, ça fait 12 tirs qui touchent à 3+. Force 4 qui doivent blesser à 5, qui vont blesser du coup à 4. Ok. Reroll des 1, mais il n'y en a pas. Ok. Ça en fait 5, 6. PA à 0. 0 sur du 3. Un point de vie encore. Oui. Bah écoute, allez, un Goliath qui met dedans, la mitrailleuse d'abord. Le Goliath là, celui du fond là-bas, pardon, oui, ok. La mitrailleuse qui touche. 3 touches. La mitrailleuse qui ne blesse pas. Non. Des 3 tirs de canon. Oui. 3 tirs. Canon laser mini lourd. Touche à 3. Blesse à 2. Ça fait 2 PM à 3. Pour dégâts de 6. Boum boum. Il meurt. Ah, est-ce qu'il. Ah non. Faut faire le 6 maintenant. Ah non. Faut faire le 6 maintenant. Ouf. Non. Allez, t'aurais pu péter à la tronche de Stockard là. Ah, un autre jour. Celui-ci là, il va être ciblé par le Goliath bon, numéro là, 2 Goliath, ici. Donc ouais. Juste comme ça, des 3 tirs, allez. Un tir, 4+, voilà. Je vois pareil, mitrailleuse, une, rien du tout. Rien. Voilà, parfait. Ok. C'est tout pour la phase de tir, tu es déjà bien. Eh ben close alors. Donc bon, on va charger. Hein. Oui. Par quoi on commence? On commence par les aberrants. Les grandes charges des aberrants charge ici. Charge à 8. Oui. Charge à 8 avec un PC, ils ont pas de bonus. C'est parti. C'est parti. C'est pas 2. Non, 2 c'est pas que. Alors, soit je garde mon PC pour repartir dans les armes avec quelqu'un d'autre, mais je suis déjà bien étalé sur la table, j'en aurais pas besoin je pense. Cette charge là est importante. Allez. Je craque mon PC, c'est mon tour 3, on peut pas le récupérer. Non. Et je charge 8. Et c'est fait 10. Et voilà. Et voilà. Beau gosse. J'annonce 4 knights en moins sur ce tour. Ah là. Goliath sur le petit ici. Bonsoir. Une charge à 2, bon, je pense que c'est quand même suffisant, mais il fallait pas moins. Oui. Et les acolytes.
6. On va les mettre. On va les mettre juste après. Et il me reste des distillers ici sur le. Bon, c'est pareil, c'est une charge auto, hein, oui. Donc on s'embête pas. 7, bien joué. Bah, let's go. Hein. C'est fini de rigoler pour les Chaos Knights. Allez, allez, on commence avec les Steelers qui sont là, qui ont déjà prévu de faire leur petit encerclement. Bravo. Touche à 2, mais ils touchent tout. Full touche. Fantastique. Ils sont bien vénères. La blesse à 5. 4 petites paires moins 3. Allez, j'en prends 4 là. 1, 2, 3, 4. Sur du 6. Non, il n'y en a pas. 4 points 4 de vie. PV. Il en reste 8. Là où ils sont. Oui. Ils sont très contents là où ils sont. On va faire taper les aberrants. Yes. Ils ont 2 attaques chacun. 1, 2, 3, 4, 5. Puis une avec le chef. Touche à 3 plus. Hop, il tape à force 9. Donc il blesse à 3 plus. Aïe. C'est 4 PA moins 3 dégâts 3. Tour du 6. Sinon, c'est. Faut en réussir 1. Faut en faire une. Faut en réussir 1. Ah magnifique. Ils sont pétés ces dés. Tiens, allez, 2 qui passent. Fait 2, donc c'est 6 PV. Une attaque de queue. Touche. Qui blesse. Une PA moins 1 dégâts. Ouais, encore un point de vie. Il en reste 5. Fais les acolytes là-bas, oui. Je vais déjà faire les foreuses et puis ouais, hein, oui, ça va voilà, aller très vite. Voilà, hein. La foreuse. Donc ça, alors les 6 font déjà des BM. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 BM. 10 BM. Parce que la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas capé chez vous. Hein. La vie est belle. C'est sûr que ça n'a pas été capé, ça, la fac, elle dit rien du tout. Non, elle dit rien. Non, c'est foreuse, ça fort. Oui, c'est bien, donc c'est ça, bien. C'est... Hey, les Grey Knights, c'est des Grey Knights, mais ils sont capés à 6, mais c'est pas grave. Ça, c'est les blesses automatiques. Oui. Ça, c'est les doubles touches qui doivent blesser à force 8, bah, à force les 9. Pauvres, les pauvres. Donc, paf. Voilà, et donc, tout ça, c'est PA-3. Allez. Ça, PA-4, tout ça. Tiens, j'explose sur un 6. C'est incroyable. Non, j'explose pas. C'est incroyable. C'est hallucinant. Hop là. La vitalité, c'est hallucinant. Bien. Bah, tu peux riposter, puis d'abord ici. On va commencer là-bas, oui, effectivement, parce que sinon, ça va être un peu juste. Du coup, notre petit knight là-bas, qui est tout seul, et avec son petit point de vie restant, il va faire 10 attaques de sweep. Il va... De sweep. Il va sweeper. Il fait 10 attaques et il touche sur du 4. À 10 attaques, quand même. Ouais, mais bon... Sur du 4. Et il blesse sur du 4. Tu vois, sur du 3, pardon. Mais oui, tu vois encore. C'est toujours pas ça. 3 à 4. Deux morts. Incroyable. Bah écoute, tu peux riposter. Hein, j'ai rien d'autre à dire. Bah écoute, ici. Hein, oui. Il me reste 4 Gen Stealer pour un petit PV. Les attaques de Gen Stealer. Touche à 2. Ah. Quand même quelques as, c'est bien. Il reste à 5. La PM 3, il y en a 3. Il y en a 3, il faut faire un triple 6. Easy peasy. Easy peasy, on l'a déjà, on l'a déjà fait. Non. Yes, est-ce qu'il explose ? Toujours pas. Nope. Aucune explosion, c'est un peu chagrin quand on a 14 quand même. J'espère on fait 0, c'est vrai. Faire quelques BM comme ça, mais non. Le petit knight là-bas avec les aberrants collés aux fesses. Oui. Va faire 4 attaques sur les aberrants. Il va toucher une fois et blesser 0 fois. Voilà, ça c'est réglé. Lui, il a pris 7, et il reste je crois, hein. 5 points de vie sur ce monsieur là-bas. Voilà, ici de ce côté, nous avons là aussi 4 attaques. 1, 2, 3, 4 sur les petits Gen Stealer. Nous avons 2 touches et une blessure pour une invulne, c'est fait. Sauvegardé. Bon, tout voilà. Va bien, voilà. Bon, fin de mon tour. Oui. On peut le faire directement. Oui. Bon, j'ai encore continué à caper. Battez-le est définitivement capé. Là, je pense que j'ai 20 points. Donc, je fais abattez-le. Je continue à faire mon brouilleur. J'ai fait une troisième fois, donc je suis à 8 points de Nakmoon. Et là, pour le coup, donc, j'ai plus de figurines dans mon quart. Ouais. J'ai plus de figurines au milieu. Oui. J'ai plus de figurines chez toi. Oui. Je remets 4 points de secondaire. Ce secondaire-là est bon. Forcément, il est bon contre les Icars. Hein. C'est fort. Hein. Forcément. Ok, donc voilà pour mon tour 4. Ouais, phase de commandement du tour 4. Que 4 points ici. Hein, on prend un petit PC, mais on marque que 4 points sur cet objectif là, puisque les aberrants ne sont pas super OP. Oui, là, mais ici, il y a bien du monde qui est super OP et qui est bien plus nombreux que moi. Ouais, c'est le fait d'être allé les chercher de toute façon en fait était complètement idiot. Je pense que j'aurais pu rester 10 dessus et puis attendre de voir ce qui se passait, voire même bloquer. Je pense qu'effectivement, c'était ou les deux le pour dire en un tour je les sors et je perds l'objet. Mais ou zéro. J'aurais pu probablement poser mes deux gros socles là et dire tu vas faire quoi ? Peut-être. Fais le tour. Bah, j'aurais pu charger aussi. Hein. Oui, charger, mais bon. C'est sûr. D'accord. C'est sûr. Donc tu marques le point primaire et tu prends un petit CP et puis phase de co, il n'y en a pas. On y va. La phase de move, je peux vous la faire en live parce qu'elle est très 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 rapide. En vérité, on va amener monsieur là. Là aussi, 10 sur l'objectif. Parce que là, je compte pour 5 plus pour 5. Tout à fait. Allez, ce monsieur là est venu pour. Ouais. Mettre un pain. Alors il a bougé de 17 avec il a pris des BM infernal. Alors. Il prend une BM, enfin il détruit 3 BM. Il prend 3 BM en cadeau, c'est vraiment top. Cadeau mon grand. C'est top, mais au moins il est là où il peut. Il veut... L'idée c'est de balancer quelques tirs de lance thermique sur notre ami.
ici pour essayer un enfin primaire, un de marquer un assassinat, bloquer un 4 points de primaire et faire quelque chose. Alors le primaire, je l'aurai ailleurs malheureusement, je suis on pas sûr que ça serve. On peut rester en PLS à la maison. Je vous propose de passer à la phase de tir, on va passer directement à la lance thermique et 3 tirs de mitrailleuse, 3 tirs de mitrailleuse. Une touche. Qui blesse pas, pas qui blesse pas. Des 3 tirs de lance thermique. Aïe. 3 tirs de lance thermique, touche à 3. Allez, allez, faut rater. Allez, faut rater. Blesse à 3. Non. 1 vu la 4, j'ai plus de PC. 2 1 vu la 4. La première est réussie, la deuxième est ratée. Ah non. Dégâts des 6. Des 6 damage. La fin de pain, j'ai pas peur. 5 damage, bon, 5 fin de pain à 5. Je pense que c'est l'heure. Rentrez chez vous, monsieur le patriarche, ça fait 3 tours que vous devriez être à la maison. Bon, il a fait ce qu'il fallait. Ah, le monsieur, il rigole plus. Là, on met tous les tirs de Lightning Lux là-dedans. Allez, on rappelle que les 6 font proc 2 fois. C'est le moment. Aïe, ah, aïe, merci. Aïe, aïe, aïe. Merci, parce que là, on se retrouve avec un joli jet. On va prendre les doublas là pour mettre là. On va prendre ça pour mettre là. Aïe. Et on va prendre c'est ça pour mettre là. C'est peut-être la fin des néophytes. Voilà. Ah, je me sens un peu mieux, là. Je sais pas vous, mais un peu ras-le-bol. Ces bêtises là, ça blesse à 2. Hein, à 3. Ce 6, bah à 3. Écoute, tiens, j'en enlève un de plus. Bon, c'est voilà. PA moins 2, c'est ça? C'est PA moins 1, moins 2, moins 1, moins 2, moins 1, moins 2. T'as quand même pas une invule. C'est pas d'invule, non mais. À Wattmill quand même non plus. Quand hein. Même. Moins 2. Ah bon, non, j'ai pas de sauvegarde. Allez, rentrez chez vous. Allez, une petite charge, hein. Ouais, bah ouais, on va charger avec. Avec ce monsieur, les aberrants, parce qu'ils sont quand même un peu énervés. Allez, je vous la fais là. Parce oui, que j'en ai marre, j'en ai marre. Ah, non, non. Je veux venir là-bas. Non, oui, je veux venir là. Bon, oui, monsieur, bon. Voilà. On va pas. Hein, et puis je ferai ces 3 pouces, voilà, là, c'est bon, on sera comme ça. Ça sera son tour, oui. Voilà, c'est bon. Ensuite, hein. Là-bas. Et là, de ce côté-là, bah oui, on va charger hein. Aussi avec notre ami. On va faire 10 pouces et on va la faire comme ça. Paf. Ouais, il me charge. Hein. Bon, j'ai plus de PC, tu peux y aller. Et ben, 4 attaques de ce côté-là. 1, 2, 3, 4. Youhou ! Touche à 3. Blesse à 3. Une blessure. Ah, un PV. Et là-bas, on va faire des attaques. Ils ont encore le Feel No Pain. Ils ont réduit les dégâts de 1 oui. Aussi, c'est ça ? Ah oui, c'est des brutes. J'ai galéré un peu sur le Feel No Pain. Mon plaisir. Merci Gawa, il n'y a pas de problème. 4 attaques de grosses attaques. Tout touche. Tout blesse, voilà. Donc c'est dégâts 3 qui passent à dégâts 2. Dégâts 3 passent à dégâts 2. Donc des Feel No Pain. 4 dégâts 2. Donc à 5. Il survit. Il meurt. Un mort. Un mort. Il m'en reste 2. Donc il en reste 2. 1. Un PV. 2 morts. 2 morts. Un knight, 2 morts. Des petits stealers sur notre ami. Je crois qu'il a perdu 4 points de vie, quelque chose comme ça. Ouais, on a perdu ses PV. T'avais pas tant blessé tout à l'heure. 1, 2, 3. Oui, j'en ai pas fait beaucoup. Ouais, là, j'en ai refait 3. À peu près la même chose, tu vois. On va dire 4 tout à l'heure et 3 maintenant. Pan. Ah. Et paf. Le monsieur là-bas, il tape dans les aberrants. Wouhou. Il est à 5 rank 5, donc je pense qu'il va toucher plus que sur du 4. Sauf qu'il va toucher sur du 3, parce que quand même, c'est ma... Et non, il a une attaque de plus, monsieur, alors... On n'a pas payé pour rien. Et ben alors, et ça, c'est, il faut blesser quand même, c'est voilà. Ça, donc, voilà, les blessures sont là, c'est de la force... Force beaucoup quand même, force donc, 6. 4, oui, 4. J'irais 4 blessures, 4 save, normal. T'as pas... Donc c'est les sauver à 5. Voilà. Ok, voilà. Dégâts 3 Feel No Pain sur le même gars. Ah, 2 points de vie. Il est pas mort. Il fait presque aussi bien que son pote. Il est pas mort. Okay. Vas-y, on attaque directement là-bas. Ici, pareil, bah, 5 bourres. 5 attaques de ce monsieur sur les stealers, puisque plus une pour mon abominable constitution. Ah, voilà. Par contre, la touche, c'est pas ça du tout. Et la blesse, c'est ça, par contre. C'est ça. C'est sauvegardez, allez, les aberrants. Oui, oui, les aberrants. Ils vont finir le petit monsieur, ils vont essayer. 3 attaques, enfin, 3 attaques, 3 aberrants qui attaquent dans le monsieur. Tiens, 4 PA moins 3. 1, 2, 3, 4 PA moins 3. Tiens, 3, 6, 9. Exactement, ça suffit madame. Est-ce qu'il explose? Non, toujours, toujours pas. Toujours pas. Ça n'explose pas. Pas un qui aura pété. Hein. N'explose pas. Pas c'est un qui, aura, c'est qui sera senti nul. Concerné pour exploser. J'en aurai la moins 2 ici qui ne peut pas craquer. Oui. Et là, je pense que tu m'as suivi 3, 4. Donc, ce n'est pas possible non plus. Voilà, 5, 10. Bravo. Tout va bien. C'est la fin de mon tour. Je ne fais plus l'emprise. T'as fait assassinat. J'ai fait assassinat, je te pêche de marquer 4 points de primaire, mais c'est tout, je ne fais plus la domination, je ne fais pas l'emprise. C'est plus grand chose. Et alors c'est 4 points d'assassinat, parce qu'ils sont Warlord en plus. Mmh. Et on y va pour mon tour 4. Alors sur le primaire, Alex met 8 points sur son début de tour 4. Et oui. La vie est belle. Et oui. Okay. Oui, et puis il faut que je fasse. Bon, Noctarius là-bas, il va être gratuit. Il faut que j'enlève les bombes, c'est mon tour 4, j'ai encore un tour d'ailleurs. Il faut que j'enlève les bombes, que je mette des bombes. Et pour le reste, je vais être relativement bien assez rapidement.
Ça marche. Donc on y va. J'ai récupéré un PC, j'ai mis mes 8 points. Je vais donner mes relances de blessure aux petits monsieur qui sont là. Mm-hmm. Je vais mettre un marqueur tir croisé sur celui-ci. Oui. Pour lui faire sa fête et on n'en parle plus. Bravo. C'est la fin de la phase de mouvement. Il s'est pas passé grand chose. Les aberrants sont restés encore ici pour bloquer ce knight là. Je pense qu'ils vont pas me le tuer tout de suite. Les Genestealers sont venus poser une bombe. Ça sait faire ça, les Genestealers, absolument. Donc par contre, comme ils ne sont pas super OP, elle ne sera valable qu'à ma prochaine phase de commandement. Mm-hmm. Donc bon, en théorie, lui pourra pas désengager de toute façon et l'enlever. Donc tout va bien. Mes acolytes ici ont déployé donc les brouilleurs, donc récolté les dernières données de Nakmund. Mm-hmm. Donc c'est la quatrième fois, donc ce qui est bien. Bravo. Et j'ai deux bombes à désamorcer, donc je désamorce. Il y en a une que je pourrais désamorcer automatiquement avec ma troupe au prochain tour. Donc il faut que j'en désamorce une pour mm-hmm. pas qu'il marque tes points. Mm-hmm. Donc on va dire que c'est le Goliath sur un 4+. Voilà. Hop. Bravo mon petit Goliath. Je l'enlève alors. Donc voilà, c'est pas mal. Donc désamorcer la bombe. Oui. Et ma foi, c'est tout. On va faire un petit peu de psy. Il y a deux corps à corps qui vont s'alterner. Mm-hmm. Donc écoute, mon Magus va utiliser un PC. Oui. Pour jeter un sort de bénédiction partout sur la table. Oui. Pas uniquement où il est. Ah, ni à vision, ni à portée. C'est beau. Et il va donner donc plus une attaque aux aberrants. Oui. Qui passe. Bravo. Le deuxième sort ne sert à rien, donc d'accord. C'est tout. Au niveau des tirs, du coup, on est resté au corps à corps là, on oui. voit pas les autres knights, on est engagé en surtout plus. Hein. Engagé. Donc, pas de tir. Yes. Pas de tir, on n'a même pas de charge. Non. Puisque ça fait une action. Mm-hmm. Donc c'est tout, tu vas pouvoir choisir d'engager un corps à corps. Là-bas. Allez, viens, ma grosse. J'ai perdu des PV avec lui. Non, je crois pas. Pas que je sache. Là, par contre, j'étais très, 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 très bête. Pourquoi ? Parce que j'avais un tir croisé, j'aurais dû mettre un Fight Class ici avec mon PC au lieu de mettre un sort. Eh ben, mets un Fight Class alors. Non, ça change rien. J'ai une attaque en plus, tu m'en tueras peut-être pas 50 000 et puis c'est tout. Bah, ils sont morts. 3 plus. Mais ils sont morts. Voilà. J'ai une reroll que j'ai pas utilisée tout à l'heure, je crois. Je vais la reprendre. Oh. Le karma. Allez. D'ailleurs, par contre, tu peux récupérer mon PC. Non, pas du tout. Je sais pas. Vas-y, tu peux le faire. Tout à l'heure. Une seule save. Quand même. Dégâts 2, deux Finopain. Voilà. Oh, il est mort. Donc ça va. Il est mort, le mec, tout seul. Allez, je vais tuer les Steelers. Bravo. Combien ils sont, les Steelers? Là, les Steelers, ils sont 4. Il reste 6 PV à notre ami. Il veut pas mourir, lui, depuis tout à l'heure. Non. Il se fait des sages sur lui. C'est ça, quand. 16 attaques. Touche à 2. Allez, maintenant on fait de la force 5, des 5 plus. C'est et on bien. Se le. Non, ils veulent pas. 2, hein. 3. 3 moins 3. 3 save à moins 3. 2 PV. Allez, vas-y à toi. Il est toujours pas mort. 4, 5 attaques. Il va faire 5 attaques. Je vais y arriver. 5 attaques touchant du 3. Blessure du 3. À mort. J'en ai marre de la 4 plus 1 vue chez les Steelers. Vous en avez pas marre, vous, de la 4 plus 1 vue chez les Steelers? Moi, j'en ai marre. Du coup, on va sceller sur lui, qui fait strictement la même chose. Celui-là, il est full potentiel, donc ça fait que 4 attaques. Qui touche 2 fois, qui blesse 1 fois, qui tanque, bien sûr. Donc, mes petits adhérents qui ont plus une attaque. Mm-hmm. Donc, 1 à 3 attaques, 1 à 4 attaques. Oui. Touche à 3. Blesse à 3. 4 PA-3. Attention, il faut en faire une. 4 un PA-3 sur un 6. Et on a 3, pas. 3, 12. Merci, au revoir. Allez, alors, explosion. Le coaching gagnant. Non plus. Alors, il y a du sel d'un côté. Alors, l'autre, il est aigri. Je me fais full flame. Bon, bah, tout va bien. Oui, très bien. Bravo. J'ai pas de morale. J'ai perdu un stealer. Voilà, tout va bien. Je sais bien que t'as pas de morale. Ce que je marque, du coup. Oui. J'avais quoi. Donc la bataille, on n'en parle plus, l'Octarius est fini et je continue à marquer mes 4 petits points de secondaire cultes hein, quand même, hein, puisque je suis encore plus nombreux chez toi. C'est terrible. Hein, parce que tu en as que 2, c'est moi j'en ai 3. Donc tout va bien, donc je marque encore 4 points de secondaire, donc je vais à peu près caper la majorité de mes secondaires. C'est terrible. Tu as un tour 5 à faire. Bon, phase 2 com. Tour 5, dernière chance. 4 points, là, on est sur l'objo, on est 10, on compte pour 10, on est 2 cons sur l'objo, plus, hein, contre 3, voilà, il reste 4 points de vie à Biobi et Marcel à côté va rester. J'ai aucun intérêt à me désengager pour en faire fait, tu peux rien quoi faire que ce soit. Même si je venais prendre un deuxième objectif, ça ne suffirait pas pour faire l'emprise ou quoi que ce soit. Je vais prier l'empereur. Allons-y. Et surtout le chaos, pour qu'éventuellement, sur un malentendu avec ce CP là, tu rates celui-là au tir et que du coup je te tue tes Genestealers
sur ce tour. Pour faire un broyer-les ? Pour faire broyer-les, c'est tout. Okay. C'est tout ce que je peux faire. Admettons. Ici, du coup, nous sommes directement en phase de tir, puisque la mouvement, il n'y en a pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par contre, lui, qui a son double lightning, peut du coup tirer dans le close combat. Il touche à moins 1, parce que c'est une arme lourde, mais à la rigueur, il n'en a rien à carrer. Aïe, 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 aïe. Voilà, parce qu'en fait, ça, là, voilà, ça fait déjà... 40 touches. Ça fait déjà 6 x 3, 10. On va rentrer les... Les lightning log, j'ai compris, hein, j'ai compris. Je pense. Je sais pas vous, mais moi j'ai compris, hein, je vais re-rentrer. C'est du force 6, 3 plus C'est de la force 6, c'est du 3 plus, oui, puisque je plaise jamais mieux que 3, c'est ça. C'est ça. Bah écoutez, non, allez-y, faites plein d'invules, faites comme chez vous. Bah écoute, voilà. Voilà, allez, rentrez ouais, chez vous ils les sont morts, les jette pas, les jette pas, les enlève, pas les jeter. On les enlève, voilà, ils sont là, voilà, les pauvres bêtes. Faut pas leur faire de mal. Lui là, il s'est libéré, le délivré. Il va tirer dans les deux péons qui restent là. Il va essayer de les tuer pour essayer de faire une deuxième unité sur le kill mort. Impossible. Il fait 4 tirs avec sa première arme. Il en fait 4 de plus avec celle-ci. Pour un total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon. Touche à 4. Oh le nul. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que je peux faire face à ça? 3 blesses, PA. 3 blesses, PA moins 3. Ok, ça passe, c'est dégâts. 2. Bon, qui passe à dégâts, hein, tu me dis. Bravo. Que ça fait un mort, en fait. Un mort c'est fantastique. Bravo. C'est il en reste un, je m'en fiche. Fantastique. La fin de ton tour 5, mon ami. C'était bien. Bon, t'as tué les G-Sealers, t'as fait une unité détruite. Donc potentiellement, tu peux éventuellement marquer un broyer. Tu marqueras rien d'autre. Hein. Et puis je vais jouer. Non, bon, en vrai, il a même plus envie de jouer. En vrai, ce qui va se passer. Il va regarder. En gros, c'est pas très compliqué. Voilà, je vais déjà marquer mes primaires en fin de tour 5, en fin de game, en fin de tour 5. Mmh. Donc, on verra ça plus tard. Je vais marquer 12 points de primaire, hein, il n'y a pas de débat. J'ai fait mon Octarius partout, mon Akmoun. Donc, la seule chose à faire, c'est désamorcer les bombes et poser des bombes. Donc, je vais désamorcer automatiquement une bombe avec ces petits messieurs-là. Hein, parce qu'il faut être à 10, je bouge de 7, il faut être à 3 pas, j'y suis largement. Okay. Comme ils sont troupes, ils vont pouvoir le désengager facilement. Le désamorcer, je vais pas prendre le risque d'aller attaquer avec eux pour faire tuer un knight, je vais être sûr d'enlever la bombe parce que c'est 4 points. Voilà. Surtout voilà. Que t'as pas besoin en plus de prendre le risque, tu vas te tuer au laser minier là. Tuer un knight, combien de PV lui reste? 4 PV là avec lui, là. Lui il tire là, lui il vient juste prendre une ligne de vue. Il va charger, il bouge à 10. Hein, ah, il veut même bouger, bouge 11, il veut même pas l'objectif. Il bouge à 11, ils sont. Il ne veut même pas l'objectif. Ils sont, comment ils s'appellent? L'hélice. C'est bien. Donc lui, il va bouger à 9 aussi, il va charger oui, mais tout, tout pareil. Oui, bien sûr. Tout pareil. Le cratère, c'est bon, j'ai fait 9, j'ai fait 11 moins de 9. C'est fantastique, c'est fantastique. Les Steelers ici, donc bouge de 9, du coup, ils vont pouvoir largement mettre une bombe à 9 pas de la première. Ils sont forts, hein, quand un même. Petit, regardez ils ça, en mettent des bombes, ils jettent hein. Tout par terre, ils les respectent même pas. Là. Oui, ils détruisent des knights, ils mettent des bombes, le soir, ils font des équations à deux inconnus, il n'y a aucun problème. Et on va essayer d'aller taper ça, si j'arrive à attraper une ligne de vue avec les Achilles, et on va passer en phase de psy rapidement. Allez, il n'y a que ça à faire. Allez, en plus, il ne fait jamais ce qu'il annonce, comme je vous l'avais dit, il a dit phase de psy, mais en fait, il n'en a pas, il a mis un marqueur tir croisé là-dessus. Pas de phase de psy. Il espère le fumer au tir, mais... Allez, je fais les deux goulettes en même temps. Clac, je claque mon PC pour la rotation des Iron Shield, c'est incroyable. Deux laser mini lourds en même temps, deux les trois tirs, ça fait 5, 1, 2, 3... 4, 5, plus un hit parce que j'ai mis mon tir croisé à 3+. T'es content? Il n'y a aucun problème. Okay, force 9 à 3+. Ouais. Allez, c'est la paix à moins 3. Permets, je vais prendre vos dés, monsieur. Voilà, bien sûr. 3d6. Ils sont bien dressés, vos dés, n'est-ce pas? Ouais. Allez, l'explosion. Et hop là. L'explosion! Non, toujours pas. Tu veux charger là ou pas? Non, mettre la honte jusqu'au bout. Je suis loin. Parce que si tu le rates. Non, je ne charge pas. J'ai détruit mon unité, du coup, j'enlève ton broyer-les. Oui. J'ai mis une bombe, j'ai désamorcé une bombe. La vie, la vraie, je suis partout. Voilà, on va compter les points, bravo, bien joué. Oui, on va débriefer. Score final, 92 à 44, je vous le dis parce qu'Alex n'arrive pas à le dire. Bravo. Ah, c'était dur, hein. Ah, c'était pas facile, hein. Bon, 92-44, bon, je suis capé sur l'ensemble de mes secondaires quasiment, presque sur le primaire. J'ai beaucoup scoré, c'était une bonne game. C'est le début m'a fait bien flipper quand même. Je flippe souvent, hein. Je sais, je flippe souvent. Pas un tour 1 où le gars il est déjà pas en train de rage quit intérieurement. C'est que j'ai pas l'habitude déjà de jouer des armées avec beaucoup de réserves. Donc quand t'as la moitié de ton armée en réserve, que tu en plus tu en rajoutes en début de game, que tu enlèves une unité et que t'as pas le T1 et que tu prends un table comme t'as pris la table, j'étais comme ça. Sauf que j'avais oublié qu'il n'y aurait pas de dégâts en face. Quoi. Je me suis dit, bon, bah, tour d'après, je prends 4 knights dans la gueule, il me rase tout.
Non, hein, c'est des petits knights. Ils font pas si mal que ça. Ils courent vite. Utilisateur. Mais c'est tout. Hein. Et donc, c'est intéressant quand même. Le graviton pulsar ne vaut pas du tout le lightning locks parce que blast et parce que tu peux pas tirer dans le close et du coup. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Très embêtant. Après le blast dans certains aspects peut être sympa, hein, mais bon, il souffre un peu de la comparaison, c'est vrai. Je pense quand même que malgré tout c'est un match-up favorable pour le culte. Hein, c'est un codex très récent qui a toutes les armes pour faire ce qu'il faut. J'ai trouvé le scénario super bien. Oui. Et très je bien. Trouve ce sapeur tout de bonne qualité. Évidemment, il fit bien avec mon armée, hein, donc il n'y a aucun problème. Moi, je peux en faire des tonnes de secondaires et aucun souci. C'est insupportable à la première lecture aussi. Hein. Oui, non, c'est pas insupportable. Donc, tu comprennes les gros blocos là, en fait. Tu lis les 6 scénarios à la suite, tu comprends plus rien. Mais bon, quand tu en prends un pour faire ta soirée, il est facile à prendre en main quand même, ça va. Bah, en fait, en deux mots, voilà, vous pouvez poser des bombes avec des unités dans le camp adverse. Voilà. Le mieux, c'est d'avoir des troupes super opérationnelles pour les faire à la fin de tour. Et le mieux, c'est d'avoir des troupes super opérationnelles pour désamorcer plus facilement. Et à la fin de la game, c'est 4 points chacun. Il y a des petites choses, mais ça se prend rapidement en main. Oui. Ça rafraîchit parce que même les déploiements, en fait, ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas au même endroit. On rapporte moins de points de primaire. Il y a plus d'objectifs. Il y a une ligne de scoring en plus, qui est sympa, donc les secondaires missions. Donc, c'est pas mal. Voilà, donc je pense que l'armée du Kul'jen est bien mieux designée pour faire ce chapter à prouve là que les IK, hein, forcément, que les RK. Je commence moi d'abord peut-être sur le Kul'jen, j'ai adoré, je vais en rejouer, c'est sûr. Il y a plein de choses à faire, j'ai mis beaucoup de points dans le tir. Alors heureusement, parce que c'est un bon match-up pour mes lasers miniers d'avoir des petits IK, hein. En durant 7, pas beaucoup de PV, c'est très bien. Je pense que dans d'autres matchs, mon tir est pas intéressant. Les Ridge Runners sont assez chers, ils valent pas le coup. Je pense que les Goliaths sont pas mal pour transporter un petit peu, faire des Kinder Surprise. Mais les Ridge Runners, je pense, vont sortir. Et près le Patriarche est monstrueux. Un full infanterie, les Acolytes, même les Aberrants étaient bons. Hein. Les Aberrants, ils tankent. Je pense qu'il y a un pack de 10 qui a en Finopania 5. Enfin, les tartes qu'ils mettent à des gars flat 3, on peut leur mettre plus une attaque. Les Pierce Strain et leur fichu 4 plus 1, plus les tonches qu'ils mettent au close, les Gisteurs, c'est n'importe quoi. Ils bougent à 9, ils advance auto à 6, ils chargent après, ils ont des tricks de qu'on connaît sur les améliorations, donc plus une attaque, ils bougent avant la game, ils repartent, etc. Duckface. Ils sont vraiment trop trop forts, je pense qu'ils doivent prendre un petit peu en points parce qu'ils sont à 13 points pièces, 14 points pièces. 14 points pièces, c'est pas assez cher. Les acolytes foreuses, les cisailles sont très bonnes aussi. Hein. Si je joue deux packs d'acolytes, je mets 600 cisailles, 600 foreuses, parce que la cisaille c'est moins 3-3 aussi. Bon, bref, beaucoup de létalité avec des choses qui valent assez peu de points. Donc, ils sont forcément glace canon, hein, on les perd assez vite quand on tire dessus. Mais en fait, c'est soit elles sont très létales, soit elles sont très spécialisées, ou au moins très spécialisables. Les néophytes par 20 qui arrivent à 3 pas derrière toi. Voilà, qui font leur petit secondaire de la nuit du couvain, qui font des brouilleurs, qui posent des bombes, qui contestent les primaires. Et qui font le. Et qui font les tirs croisés, qui font les. Tirs croisés et exposés. L'exposition. Ça, c'est pénible. C'est presque ça qui, moi, en fait, me fait dire ras-le-bol, quoi, en fait. Parce que j'avais du tir. Ah oui, mais bon. En fait, tu as moyen de vraiment. Le codex est super riche parce que tu as moyen, la construction de la liste. D'archi spécialiser des choses, du coup d'avoir des pans de ton armée qui sont très très létaux, des pans de ton armée qui sont hyper utilitaires, et c'est hyper agréable parce que du coup tu peux rejouer plein de games avec des trucs différents, tu peux faire du vrai tir avec des cultes spécialisés dans le tir, tu peux vraiment bourriner au corps à corps, t'as plein de choses sur la table, t'as des petits persos, tu peux jouer 6-7 persos, hein. S'ils sont tous cachés comme ça, c'est pas grave l'assassinat, hein. C'est pas tout un gros problème. Hein. Donc c'est pas mal du tout, j'ai vraiment beaucoup aimé ce codex. En plus, un régal apparemment, encore une fois. Oui, c'est chouette à affronter quand même, hein, parce que ça pop d'un peu partout, on sait plus trop où donner de la tête, et c'est quand même agréable. Parce que tu dis, bon, bah là, il va arriver à 3 pas, là, il arrive à 6, là. Ouais, bah à un moment, tu finis par comprendre que, bon, si tu veux pas garder tout le monde dans tes lignes à 12 pouces des bords de table, et pas plus loin, quoi, t'es bien obligé de te dire, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont popper dans mes lignes. Et encore une fois, bah oui, le fait que tu puisses en fait découvrir les mecs, enfin avoir plus un à la touche, plus un à la blesse, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de juste se dire non, en fait, on gère pas ce truc-là. Bah, l'armée Chaos Knight en elle-même, après, c'est un gros MSU de plein d'unités, mais qui, effectivement, en termes de létalité, ça drop fort. Bah, c'est impressionnant quand même. Je te dis, hein, vous avez vu le T1, il y avait 15 Knights sur la table, j'étais 14. Dans mon petit quart de table, ils sont tous super OP, il y a 10 bonhommes super OP sur chaque objet quasiment. Et encore, je pense que tu aurais pu quasiment tripler chaque objet que tu prends.
Ouais. Au moins les 3, hein, forcément, oui, oui. 9, même 4, hein, tu peux en mettre 3 sur chaque, 4 objets. Oui. Ils ont 15 de move. Mmh. Ça fait très peur. Tu vas très loin. Très peur. J'aurais pris. Alors, maintenant, du coup, avec le Graviton Pulsar, on le voit, le Lightning Lock fait vraiment, encore une fois, pas la... fait une grosse différence. Du coup, deuxième trait de maisonné, est-ce que plus une attaque, c'est forcément intéressant à moins de la moitié de tes PV avec plus un hit? J'aurais peut-être plutôt pris un truc qui fait effectivement que les War Dogs peuvent désengager, tirer chargé. Ah, charger aussi. Ouais. Ouais. En fait, je pense qu'une fois qu'il fait pas tout, mais là, c'est une nouvelle armée qu'on joue pour la première fois. Donc, on découvre aussi, on connaît la théorie, mais la létalité que tu découvres un petit peu, voilà, la lance thermique, c'est pas ouf non plus. En fait, je pense qu'il faut vraiment appuyer là où elle est forte, l'armée, quoi. C'est-à-dire prendre les dominations, blinder, tu mets 3 knights par objet. T'attends que le mec il t'en sorte un par tour sur chaque objet, en fait. Tu continues à faire des. Une fois que tu as couru le primaire, le ton secondaire, celui-là, il manque un secondaire pour être. Il manque un secondaire. Le secondaire RK est pas non plus. En fait, t'en donnes un, toi, gratuitement. Donc, le secondaire RK pour détruire des unités, soit dans votre zone, soit dans soit dans ta zone. Exactement. Au milieu, ou chez moi. Ou chez toi. Bon, et c'est un point à chaque fois. C'est un point chacun. Nul. Un point, c'est ridicule. En plus, 3 max, bon, forcément, évidemment. Donc, c'est nul. Ouais, mais bon, le kill mort, on l'a vu, hein, c'est un peu gamble. Le problème, c'est qu'en général, les bonnes armées ont au moins 2 secondaires fixes. Mm. Et comme tu donnes un secondaire, toi... Alors, vous avez aussi la possibilité, effectivement, de passer un des petits Zika, du coup, qui peut faire, en fait, du psy pour pouvoir faire un rituel. Ce que je disais, enfin, on en parlait avec Alex, le problème, c'est que, enfin, on l'a vu en tournoi aussi. Enfin, même toi, tu l'as fondé en tournoi. Il y a beaucoup d'armées à 50-50. Le... Oui, non, puis c'est surtout, je vais commencer par celui-là. Ah, voilà, bah, oui. Je te le fume, T1. Bah, voilà. Fini, 15 points. Voilà, 15 points que tu te mets dans l'os, c'est terminé. C'est pas rentable. Donc, avoir forcément ce trait de seigneur-là pour pouvoir prendre forcément ce secondaire-là, sachant que le gars va pas survivre, c'est soit faire un rituel, soit faire une interrogation mentale. Ça, ce n'est pas intéressant. Effectivement, rentrer à un autre détachement pour avoir un petit bonhomme qui se cache et faire une interrogation mentale, ok. Effectivement, sur un Ika, ils sont pas assez frais. Enfin, durant 7, au la 5. Et du coup, le tout meurt, the last. Hein, la 5. Le tout the last. Et là, je pense que c'est pas possible non plus. Je fais le focus trop rapidement aussi. Oui, aussi. Et puis, dès que j'en ai tué 2 sur 3, je marque 3. Et puis, de toute façon, oui, c'est ça, c'est l'enfer. Non, ça. Si vous avez des idées. C'est compliqué. On regardera ce que Mani jouait en secondaire, mais je pense que ça dépend de la mission surtout. Mani, en secondaire de ça? Ouais. Mais il jouait pas. Chez Marcy. Il avait fait ça? C'est pas lui, c'est son pote. Non, je crois pas, c'était lui. Mais c'était il y a longtemps. C'était avant le custo. C'était avant le Kul'jan Stealer. Oui, en 82, Manichima jouait Chaos Knights, oui. Non, mais je pense que l'emprise où tous les fronts est bonne. Oui, ça c'est sûr. Un létalité, genre broyer les, en fait, à 15 unités, c'est beaucoup. Hein. Mmh. Et mine de rien, ou alors en les exposant moins, tu vois. Mais... Et puis finalement, toi, t'as pas beaucoup de petites unités données. Ça, je pensais quand même que broyer les était pas si évident parce que mes aberrants sont tanky, les gestuleurs sortir 10 à 4, faire 20 blesses, hein, c'est vraiment pas facile du tout en un tour. Donc il faut le lightning. Donc, ouais. Ah, il en revient, hein, mais le broyer-lait contre le culte n'est pas forcément extraordinaire parce que j'ai pas beaucoup de petites unités. Si, voilà, je te donnais des motos. Bon, super, les motos, on les a bien, hein, tu veux. Les motos, etc. Donc, voilà. C'est quand même une armée un peu tricky à jouer. Je pense que là, le match-up est pour moi. Être joueur numéro 2, finalement, ça me convenait, même si pendant 2 tours, j'ai serré un peu les fesses. En fait, dès que j'enclenche la létalité, dès que je fais 2 charges à vide d'affilée, c'est Bagdad. Hein, c'est surtout donc, ça. Donc, je pense que, voilà, c'est contre un match-up plus serré. Ces erreurs de moto, etc., ça paye. Un tour 1 sur lequel tu fais rien en termes de létalité, tu peux pas te le permettre en plus en termes de knight parce que t'as quand même des tirs de fuseur si tu le fais pas. Voilà, c'est la cata. On l'a vu, ton tour 2, 6 knight, voilà, comme ça. Mais j'ai quand même encaissé 2 tours, tu vois. Ouais. Sauf que ton knight et 2 knights qui chargent 5 aberrants et qui ont même pas de fine pain, ils en tuent 2 ou 3. 3. Tu es 3. C'est naze, quoi, ça suffit pas. Faut du coup encore moins se projeter, vraiment jouer les 3 objets, je pense. Pas jouer l'assassinat, mais du coup comment tu kills mort? Non, je sais pas. Non mais ouais. À voir. À revoir. Sûrement adapté suivant les matchs. En tout cas, affrontement de style, nouvelle armée RK, magnifique, hein, j'espère qu'elle va vous plaire. C'était cool. Elle est vraiment très belle, hein. Je suis vraiment un grand fan. C'était cool, mais c'est insupportable le typhus de corrosion. J'avais les doigts pleins de typhus. J'ai vidé 2 gros pots de chez AK, hein. 2 pots. Et 3 pinceaux. 3 pinceaux Gawa pour les finir. Ils sont très beaux, n'hésitez pas hein, sur les, à
encourager Trick pour ses conversions parce qu'elles sont faites avec le cœur et tout sont très belles. Et tout mignon. Oui, j'aime pas les conversions, je sais pas faire moi. Il sait pas faire. C'est admiratif. Pas désarmé en deux heures. Moi par contre, je vais refaire un peu de pull gestiver parce que je vais essayer de faire des listes un peu plus dures. Pas forcément pour en vidéo, mais vous la verrez peut-être une fois si on doit jouer le taux ou un truc comme ça. Ah bah le taux est pas loin. Hein. Mais ouais, on va se faire un petit custo aussi bientôt. Maintenant qu'on a compris ce qu'il fallait faire. Custoto. Custoto. Ça va être l'enfer pour le taux quand même. L'enfer. Ouais. Oui, je pense que c'est... Bon, le custo peut s'en sortir. On va faire ça du coup. On va faire custoto. Bah, il a bien dû s'en sortir vu les résultats qu'il fait en tournoi. Hein. Les taux aussi ils font des résultats. C'est des Américains, ils aiment trop les custos. Bien sûr. Grave. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On fait des briefs un peu longs. Oui. Si vous êtes encore là, c'est vraiment que vous avez vraiment que ça à foutre ou vous êtes très très sympa l'un ou l'autre. Donc merci en tout cas. Dans les deux cas, on vous aime. Tout à fait. Mettez-nous un petit pouce. Oui. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Commentez, likez. En général, quand vous êtes arrivé là, vous êtes abonné. Oui. On s'en fait pas trop pour ça. Si ça vous plaît, si vous voulez encore nous soutenir, on vous met les liens. Tous les liens que vous avez dans la description sont des liens affiliés. Je suis sur Setorec, je suis sur Game Spirit, je suis sur 3D Board Game Accessories. Donc si vous voulez faire un peu vos courses, n'hésitez pas, ça nous soutient. Oui. Vous avez aussi un Tipeee directement pour nous soutenir plus directement. Si ça vous fait plaisir. Et puis en tout cas, nous on continue. Nous on continue. On continue. Bientôt les Zeldar. Des taux à revoir. Ah, les Arlises. Les Arlises, on a plein de choses. Là on est dans le thème des millionnaires, on a tout ce qu'il faut. Et la Death Guard. Terminus Est. Le revival de la Death Guard. Elle va revenir. Merci à tous. Merci. Merci mon copain. Merci à toi. À très bientôt sur la chaîne. C'était Les Notes.